Salutations YouTube, je lance cette VOD, sache qu'il n'y aura pas de gameplay avant 20 minutes. Et ça j'aime, nous allons retrouver beaucoup de gens sur Discord pour faire un challenge jogging sans rien. Il n'y a pas eu au moins une fois ensemble. Mais si. Au moins une fois au début. On est déjà en train de s'embrouiller. La rumeur était en train de prendre. Non, je disais qu'on avait. On fait rarement les challenges ensemble avec Julien. Et du coup, il y avait une rumeur qui traînait comme quand on était une seule et même personne. Ouais, ou alors vous détestiez, je crois. Non, c'est... Est-ce que vous haïssez pas un peu au fond? J'essaye un peu de la vérité est plutôt de ce côté-là. Il y a une de ces rumeurs qui est vraie. Si on est encore plus la prochaine fois, ça serait bon. Mister MV, je vois que tu viens d'arriver aussi. Mais tu es mute, hein, pour info, sache-le juste. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Pour le top. Ça va bien, toi? Merveilleusement bien, complètement merveilleusement crevé, bien. Prêt à chuter de manière pathétique, mais avec le panache. absolument. Oui. C'est ça qu'on aime, tout à fait. Du coup, comme je disais cette fois-ci, attendez, je vais montrer le tableau un peu aux gens et tout. Et, d'ailleurs, Xavier, est-ce que t'es sur le bon tableau? Oui. Tu es celui où il y a tous nos noms dessus, qui sont de toutes les couleurs et c'est super joli? Exactement, de toutes les couleurs. Je vais le montrer aux gens alors. D'ailleurs, voilà. On applaudit Mister JD pour la qualité de ce tableau. Regardez-moi ça. Ah, c'est incroyable. C'est magnifique. Il a même mis des petites couronnes pour les preuves. On voyage. Ça, c'est incroyable ce qu'il a fait. Incroyable. C'est du travail bien fait. En plus, le tableau du haut reste en haut et tout. Ça, c'est incroyable. C'est fou. Du coup, c'est exactement, on l'a fait façon traditionnelle, contrairement à la semaine dernière où on était en équipe. Là, c'est full solo, chacun pour sa gueule, sur tous les rounds. Donc, ça va faire un round France, un round Europe, un round Monde, un round France, puis un round Europe, puis un round Monde une deuxième fois. Sauf que sur les deuxièmes rounds, il y aura un tirage de malus. Il y a trois, entre guillemets, malus, parce qu'il y en a un, c'est pas vraiment un malus, disponible, qui sont un peu les mêmes que ceux de la semaine dernière. T'as le malus qui s'appelle Partir un jour, qui est le malus où tu n'as pas le droit d'appuyer sur le bouton retour au point de départ, le petit drapeau. Si tu le fais, t'es obligé de faire ton guess immédiatement après l'avoir fait. On compte sur vous, le public, pour le faire remarquer si la personne triche, bien sûr, évidemment. Bien sûr. Je pense qu'on est qu'entre personnes. Soyez nos délateurs, évidemment. Vous êtes les arbitres, quelque part, de toute façon. Exactement, la délation est conseillée, recommandée même. Ah, merci d'avoir respecté mon code couleur. Ah, oui, c'est ce que j'avais dit. Ma DA est respectée. On n'a pas fait exprès, mais effectivement, tu as ton code couleur, effectivement. Tout à fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Et l'autre malus, c'est le malus speedrun, ce qui fait qu'au lieu de faire la map en 5 minutes, on la fera en 4 minutes. Et le dernier malus, c'est pas de malus. Il n'y a pas de malus. Énorme. C'est-à-dire qu'on fait le truc sans malus. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Sinon, c'est exactement la même chose que d'habitude. Voilà, si on enchaîne 2-5 000 à la suite, on a un point bonus de combo. Voilà, aussi. Voilà. Et des wombos. C'est comme la semaine dernière. Des wombos. Écoutez, on va pas trop. Ah, merci, Shell, pour le multi. Et j'arrive tout de suite. J'arrive immédiatement. Très bien, très bien. Yes! Moi aussi, je vais faire très de même. Beau tableau, vraiment. Merci, Scootas, pour le sub. Je speedrunner le truc. Ok. Alors. Tenez. La première map, c'est celle qui se termine par. 6P. Alors, attendez, oui. Je fais ça bien. Hop. C'est une map France en 5 minutes, chacun pour ça. Ah, la France, oui, formidable. Un très beau pays. Très beau pays, mais. Je conseille. C'est compliqué. Ok, je suis prêt. Est-ce que tout le monde est prêt? Moi, je suis prêt, en tout cas. Oui, moi aussi. Ah, attends, non, moi, je ne le suis pas. J'ai pas mis en push to talk. Ah oui, c'est le push to talk. Cralalalala. Ah oui, d'ailleurs, oui, aujourd'hui, d'ailleurs, oui. Je veux dire bonjour à tout le monde, quand même. Bonjour, Angle Droit. Bonjour, Bilou. Bonjour, Mister JD. Bonjour, Mister MV. Bonjour, Monté. Bonjour, Julien Pagnac, bien sûr. Bonjour. Évidemment. Bonjour. Enchanté. Mes excuses de famille. Il n'y a aucun problème. Apparemment, t'as déjà eu. On m'a dit que t'avais déjà le malus bébé dès le début, avant même que ça commence. Mon cher. Oui, j'ai été agressé par un enfant qu'on a réussi à élitroyer, Dieu merci, juste avant le début de la de cette réunion. Donc voilà, mais il risque de revenir dans quelques moments après le manège. Ouais, tout à fait. Tu nous tiendras au jus. Tu nous tiendras. Bien sûr, bien sûr. Ok. Bah, c'est super. Julien, es-tu prêt, Julien? Oui.
Oui, bah du coup, tout le monde est prêt. Attends, 30 secondes, 30 secondes, sans souci. Ah ! Très bien. Vas-y, donc. Vas-y, Florence. Pas de problème. Pas de problème. Ah, s'il y a des soucis avec le micro, on verra ça plus tard. Mais c'est peut-être le RTX Voice qui fout la merde. Ah merde. Oui, non, mais c'est mon problème. C'est moi qui ai fait les réglettes. Mais j'ai pas remis le background. T'inquiète, tout est sous contrôle. C'est bon maintenant. Ah bah, c'est elle qui a les réglettes, hein. De toute façon, ça, c'est. Voilà, j'ai remis la suppression de bruit background. J'ai oublié comme un idiot. Allez, je suis prêt, les amis. Allez, tout le monde est ready? Yes. Moi aussi. Non, c'est prêt. Oui. Ok. On dit c'est 3, 6P. Oui, 6P, tout à fait. 3, 2, 1, go, c'est parti pour de la France. Et ça, c'est la France que j'aime d'ailleurs, je tiens à le dire. Il fait que je me mute. Ça y est, je suis muté. Ok, alors. Eh, mais on l'a pas déjà eu, ça? Bettencourt, Liliane. Ah zut, vite, un bloc-notes. Liliane Bettencourt, où habitait-elle? On n'en a aucune idée. Je suis bien mute, oui, c'est bon. Où habitait Liliane Bettencourt? Louvaucourt, j'ai envie que ça s'arrête. En France, je suis vraiment nul, hein. Ça va être extraordinairement à chier. Alors, le problème aussi, c'est que des fois, il faut partir dans le bon sens, donc espérons. Mais au moins, un numéro de téléphone, Clermont. Ils seront à Clermont le 17 mai. Le collectif des gens qui veulent en finir. Attendez. Par là, il n'y a rien, donc c'est forcément un bon choix. Bettencourt, représentation à Clermont-Ferrand. Est-ce que je cherche direct autour de Clermont, là, YOLO? J'ai 3 minutes 45, faut se détendre le cul un peu, là. On va se détendre le cul, les... Hommage à Jean-Marie qui nous regarde, bien sûr. Vous pouvez arrêter, d'ailleurs. Ça nous ferait plaisir. Alors, ah non, mais là, je pars vers l'infini. Nous étions bien à Bettencourt, hein. Commune de Baïval. Sacré bail, hein. Ouais, non, mais il y a trop de trucs. Oh, non, mais il y a trop de trucs. C'est trop. Violet, Baïval, Bettencourt, Louvaucourt. Non, je peux pas. Je peux pas me permettre de faire ça. Faut que je cherche autre chose. J'ai le droit de retourner au point de départ là où il n'y a pas de malus de tirer. Je peux aller par là, je crois. Mais il y a un autre Non, mais c'est là où j'étais et je me déteste. Attention, tout de suite là. Ah non, c'est ça. Louvaucourt est là. Toujours sur la commune de Baïval, c'est exactement le même. C'est un copier-coller, en fait. Bettencourt, c'est tout ce qu'ils ont à me dire. Et j'ai pas de numéro de départemental, j'ai rien. J'ai perdu ma femme, mon gosse, mon job. Ah si, Liancourt sur la D62, Sénécourbe. Oh putain, c'est ça. Fallait partir là, oh là là, je suis dégoûté. Sénécourbe, Breuil-le-Sec. Ensuite, ce qui est bien, c'est qu'on est entre les deux villes, donc c'est pas si dur que ça. Nous cherchons la D62. Nous cherchons la D62. Quelque part, autour de Clermont, peut-être. Alors, autour de Clermont, ça, on n'en a aucune idée en réalité. D63, c'est si proche. Mais ce qui est cruel, c'est que la D62 n'est pas forcément près c'est de la 5000. D63. C'est 5000, je suis dégoûté. Je suis un peu en galère pour rien. Voilà, la D63 n'est pas près de la D62. Pourquoi c'est mal branlé comme ça, la vie? Et du coup, je me concentre pas du tout sur les noms de bled. Pourquoi j'ai la D63 et pourquoi j'ai pas la D62? Why? 1 minute 20. Oh non. Liancourt, Breuil-le-Sac. Je pensais que Breuil-le-Sac, genre, c'est la hype. Ah, je suis au bout. Liancourt, Sénécourt, Bettencourt, Louvaucourt, c'est que des cours. Et Baïval, surtout, bien sûr. Zéro mètre, c'est bon. Je veux que ça s'arrête. Ça
Putain, JPP. Seulement j'avais trouvé, j'étais parti de ce côté-là dès le début là. Borletan, lampe, Chevarou, Lussa. Je veux que ça s'arrête. Je regarde même plus, je regarde même plus les noms de départemental. Je regarde ma vie, c'est Thiolé. Ah, je suis parti là. Mais en vrai, on est sûrement dans ce coin-là. Ou pas. Ah, la vacherie, c'est ça. Et là, faut trouver Baïval. Pas du tout. Chez Faille, Duselier, La Trappe. Putain, j'ai envie que ma vie s'arrête. Quoi ? 42 km. 190 mètres pour moi. 44 km, Bilou, t'as dit ? 42. 42. 5 km pour moi. 5 km. Exact. Petit accident. Ça commence très très fort. Hein. J'étais à 380 bornes, visiblement. Un petit panneau local qui m'a indiqué que le collectif des gens qui voulaient en finir se produisait à Clermont m'a un peu emmené dans la. Le fameux. Le fameux. Mais oui. Ici, c'est le tri. Du coup, tu t'es mis dans le massif central en fait, ça du coup. Tout à fait. J'avais trouvé une D63 qui était très proche de la D62 dans l'esprit. J'étais vraiment convaincu d'être pas loin. Hein. Non mais il y a le trick de Clermont dans l'Oise. Je le saurais. C'est du haut l'Oise. Non mais la France, j'ai tout à apprendre, donc ce n'est pas grave. Je suis prêt à prendre cette dernière place avec beaucoup de sérénité. Mais arrête, ce n'est que. Hop, vous avez tous rentré vos points. Ok. Est-ce que vous êtes prêts pour le round? Oui. On t'entend pas très bien. Ouais, ton push to talk, tu l'enlèves trop vite, je crois. Ah pardon, excusez-moi. Est-ce que vous êtes prêts pour le round 2? Oui. Oui. Tout à fait. Oui. Parfaitement parfait, alors. Eh bien, 5, 4, 3, 2, 1, go. Allez, c'est reparti pour se ridiculiser. Ah, ce fameux pont, c'est le viaduc. Pas du tout. Pas du tout, c'est un pont. Ah, nous sommes prêts. Ah, la Garonne. Enculé. Alors, attendez. Ça, c'est... Mais pour le coup, c'est une vraie info, là. Montauban, bien sûr. Je l'ai su, bien sûr. Je l'ai sûrement su. Les granises. Incroyable. Ok. J'ai quand même... Et... Montauban à 23, Dieu Pantal à 2. Ah, Dieu Pantal, c'est intéressant. En fait, ils vont l'avoir en 2 secondes, hein, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Il n'y avait pas un panneau là où j'hallucinais? C'est les 5000. C'est les 5000, hein, je vais pas m'énerver. Montauban. Ok, Montauban. Qui est à 20, à combien? Putain, j'ai même pas noté les bornes, j'ai plus d'habitude. Le boulodrome. Et là, on est où? Montauban sur la D6. 4 mètres. Vers l'est. La fameuse D6 de mes couilles. Non, mais ça va pas recommencer là. Mais pourquoi? Moi, je vois tout sauf la D6. Pourquoi ma vie est dégueulasse? Non, c'est pas possible. It's a prank. It's just a prank, bro. Et là, ils vont me dire, non, mais c'était Montauban dans le Vaucluse. Attendez. Je veux pas m'énerver. Faut pas que je me mette le stress pour rien. Je vais pas m'énerver. Pourquoi je vois pas la D6? 8 mètres pour moi. Pourquoi je vois pas la D6? J'ai la D650 de mes couilles. 7 mètres. J'ai 5. Ils ont tous fini. Ils ont tous fini, mais ma vie est horrible. De toute façon, on sait que ça on passe la flotte, là. Mais est-ce qu'on passe la flotte, là? Et je suis con. Faut que je suive la Garonne. Et je cherche... Quoi? Non, pas les granises. Ouais, mais... On a des montées qui ont déjà un combo. Dieu Pantal, quelque part, là. Et Pagnac aussi. On rapporte un point en plus. Et Julien aussi, effectivement. Ça me permet de les écouter, pourrait vraiment être dans le...
l'enfer, quoi. Pour moi, c'était de ce côté-là. C'est pour ça que j'en ai plein le huc. Bien, c'est là, alors. Et pourquoi je vois pas le... Attendez. Je vais essayer de pas m'énerver. Mais le problème, c'est qu'il faudrait le nom de ce... Là, on n'est pas à Dieu Pintal, on est où? Bien joué. Route de Magrenier. Verdun. Comment ça, Verdun-Garonne? Et non. Mais si. Oh là là. Ils ont tous terminé, ça me met une pression. J'ai pas envie de m'énerver. D26 Toulouse. Le stade municipal de mes couilles. Ok. Mais c'est pas possible. À moins que ce soit un petit écart. Mais non, 20 bornes. Mais putain, mais pourquoi ma vie est pourrie? Et la Garonne là? Elle est où la D6 de ces morts? La D26, elle est là, ok? Qui nous mène à Toulouse. Super. J'ai une D26, mais je m'en fous de la D26. La D6, Verdun sur Garonne. On est sûrement là. Parce qu'il y a le rond-point. Ok, c'est bon. On est sur le pont. We are on the bridge. Allez, je guesse. Quel grenat. Oui, c'est bon. Ah, petit accident ou pas? Oui. Alors, 25 mètres parce que je me suis mis sur le pont en me disant c'est évident, c'est 5000. Ah, yeah. Donc 4999. C'est pas immonde. Non, sur la France, c'est assez précis. Il faut faire moins de 16 mètres. Ouais, moins de 16 mètres, tout à c'est fait. Pour m'assurer de pas avoir point combo. C'est pour ça. Non, mais tu le fais bien. Tu fais très bien, effectivement. Vraiment se prémunir. Okay. Ah, ça serait dommage. Hein. Tac. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite? Oui. Oui. C'est bon. Ok. 3, 2, 1, go. Merde. Je mettais un peu plus fort la musique, j'avais oublié de le faire. Oh là là, mon Dieu. Dans votre ville, Usmain. Le cirque. Ils sont là, magnifiques guignols, les clowns, les tigres. Ok. Enfin non, c'est quand même un petit cirque, donc plutôt les ragondins. Venez voir les ragondins dressés par Boris le dompteur. Oui, magnifique. Criss Cross. Ah. Némon sur la D39. Nous sommes sur la D39. Mais de quel département? Alors moi, le problème, c'est que voilà, si j'ai pas un panneau plus global, c'est la fin de mon aventure. Ensuite, j'ai pas regardé le sol. Ah putain, c'est... nous y sommes. Rue de Girancourt. Piélouse. Méloménil. Alors moi, je connais Méloménil. Ban-les-Bains. Les Forges. Ban-les-Bains. 3 mètres. Oh là là, j'en peux plus. D'accord. J'ai envie de mourir. Juste envie de mourir. Girancourt. Épinal ? Merde, mais je sais où c'est Épinal. Je savais. C'est connu. It is known. Le Void. Le Void. ok. Oh, je veux que ça s'arrête. Là, franchement, je suis trop nul. Putain, Épinal, quoi. Épinal, c'est pas genre... Voilà. C'est bien ce que je pensais, mais je voulais pas dire de conneries. Alors... Épinal sur D51, ah, pas loin en plus, à 12 bornes. Le Void, Girancourt. Alors, le Void. Et là, vous allez me dire que c'est un autre Épinal et je vais me tabasser les couilles. 0 mètre. Ok, Épinal. D'où nous. Usmain. C'est là qu'on est à Usmain. Je regarde vers le nord. Ouest.
Et là, je regarde vers le sud-sud-est, et je sors de la ville à l'instant. Ah mais non, c'est Nesmont. C'est Neymont. Neymont sur la D39. La D39 qui est là. La D39, c'est ça, c'est cette merde. Mes excuses, hein. Donc j'ai juste à trouver... 5 mètres. Bien joué, Julien. Mais... Je vais me tabasser les couilles. Hein ? Quoi, mais genre, c'est pas signalé ? C'est un... Je vais me tabasser les couilles. Ah, mais la D39, voilà, qui continue. Bien sûr, Neymont. Neymar est avec nous. Nous sommes à Neymont. Putain, j'aurais pu faire le combo. Oh, j'ai envie de me tabasser les couilles. J'aurais pu faire le combo. Attendez que je fasse ça bien. Là, je vais vers le nord-ouest. Et je tourne vers le nord. Et je tourne vers l'ouest. Nord-ouest, nord-ouest. Ok. 50 secondes, je prends mon temps, hein. J'ai le temps, j'ai le temps, je le prends. Et là, ça tourne direct. Ok. Et il y a cette merde là, oui. Ok, donc on est... Putain, mais je suis dégoûté, on est là, ouais, typiquement. 2 mètres, ok. GG, ah, voilà. C'est le GG. J'ai donc bien loupé mon combo, bravo à tous. Bravo, ah merde, bah oui, t'as bien joué ton coup, hein, quand même. Avec 4999 juste pour pas avoir le combo, c'est du génie. Tout était prévu. C'est très bien vu de ta part. C'est quoi le bonus pour du ça, ça combo mérite le point. C'est un point. Ah ouais. Ah merde. Un point. Les excuses à toutes les familles. Il vous reste combien de temps, Bilou, Florence? Bah, je viens de finir à 71 mètres. Je viens de voir qu'on est à l'endroit où on était. Je suis con. 496 mètres. Et Florence ? Ah, ok. Ok, ok. Tu es curé. Mettez bien vos points. Ok, est-ce que tout le monde est prêt pour le round 4 ? Oui. Oui. Florence ? Oui, je suis prête. Parfaitement parfait. Eh bien... Super. 3, 2, 1, go! Non, 478, c'était bien mon score à la première. Superbe. Super parking, donc. On est à jouer en Josas. On est à jouer en Josas en Ile-de-France. Par l'I2. Ouais, par l'I2, oui, bien sûr. Le centre commercial énorme. Qui est près de... Attendez, c'est par l'I2 qui est sur la route de Roissy. Ouais, il n'y a pas le nom de la ville, il y a marqué Valibou. Sur les rues, je suis con. C'est Clay sous bois. Oui. Hein ? Ok. Nauf le Poissy. Non, juste, j'arrive pas à sortir. Attends, mais Poissy Poissy. Je suis en train de me perdre là. Sergi Pontoise, d'accord. On va pas aller jusqu'à Compiègne. Putain, mais c'est pas loin. Putain, mais je suis trop le roi des cons. Ok, on va prendre un truc plus général. Ce gros rond-point. Les Clays sous bois. Naufle le château, Poissy. Putain, mais Poissy, je devrais le savoir, merde. Pourquoi j'ai un doute énorme? C'est où déjà? Le commercial de Valibou. Bon, si je zoome un peu, je vais le voir. Moi, je partais sur. On partait par là et. Parce qu'il y avait par l'I2 là, mais en fait, j'ai fumé du mauvais shit. Once again,
Donc on n'est pas, on va pas par là pour Poissy. Donc Poissy, on va par là. Vers Orly, pas du tout. Non, 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 non. Jamais. J'ai même pas noté les noms des villes de merde. Alors que ça m'aurait aidé. Oh. 2 mètres, c'est bon. Oh, j'ai honte. Pourquoi je sais plus où est Poissy ? Ça me bute. Ok. J'ai toujours pas noté le nom des villes. Hein. Mais par l'I2, quoi. Et je m'en fous du lycée. Oh là là. Plaisir. Mais oui, mais plaisir, bien sûr. Mais je vois, mais je sais. Attends, plaisir. Je vais dire 78. On va me détester. Ouais, on va me détester. Vous avez raison de me détester. Je crois que je suis pas allé voir du côté du 78. Non, pas du tout. Plaisir. Plaisir, quel plaisir. Les Clayes sous bois, ok. Alors. Je suis dans ce truc de mort. Je suis en train de m'enterrer dans le parking. Parti par là. Est-ce que je veux vraiment partir par là? Là, je fais un grand coup. Un mètre. Oh là là. Nice. Moi, je suis en train de faire le tour d'une Tessie. Je suis en train de faire le tour d'une Tessie et je reviens là. Et là, je suis sur une départementale, là. Je suis revenu exactement là. Ah oui, il y a les centres commerciaux de mes couilles. Je vais d'ouest en est. Ok. Donc, quel plaisir. Plutôt là, je dirais. Nike Factory Store, on voit pas du tout ça. Hein. Merci Asbeta. Là, je sors de plaisir. 0 mètre. Et là, on a l'autoroute qui fait nord-sud en dessous de nous. Mais c'est pas aussi vénère que ça. What? Là? Non, là, c'est rien. Il y a un grand rien. Eh bien, on passe là. D'ouest en est, qui disait. Mais what the fuck? Je suis perdu. Alors que plaisir m'informait. Ouais, de toute façon, je serai dernier et mon combo, je l'ai dans le huc. Ah merde, c'était quoi ça? Pourquoi dirait qu'il y avait un... Oh, regardez, je vous montre juste qu'il me l'a mis dans le cul. 14 km, je ne savais pas où on était. 13 km, pareil. 13 km aussi, ouais. 1 km. Oh, pareil. Bien joué. C'est le rang des Parisiens. Et du coup, on est ouais, égalité avec... Ah, des Parisiens. Vous avez arrêté de squatter ma case. Désolé. J'ai jamais foutu les pieds à plaisir, hein, je tiens à le dire. Ah non, mais j'ai galéré. Je ne savais pas où c'était, juste, tout simplement. En fait, il y avait un panneau qui indiquait Poissy, et Poissy est super loin, en fait. Bah moi, j'ai juste eu un panneau Poissy, effectivement, et Rennes 12. Ah, moi, j'ai vu le bulletin d'information de plaisir vous informe. Panneau d'information. C'était écrit en fait au-dessus en Île-de-France, au-dessus des noms de rue, t'as le nom de la ville en fait. Ah oui. Il y avait écrit ville de plaisir. Là, je l'ai pas vu, non. Mais encore faut-il connaître les villes, quoi. Parce que du coup, il y en a beaucoup, quoi. Ah oui. Ouais, et je savais plus ou moins où était plaisir, et surtout j'avais vu un truc avec écrit Yvelines Essonne. Donc je me suis dit que ça doit être dans un des deux départements quand même. Donc, quel dommage pour ce 478 points. Ah oui, effectivement, ta première plantelle ouais. À Clermont-Ferrand. Très bien. Très bien. Vous êtes prêts pour la suite? Oui. Dernière round de oui. France. Oui. Oui. Florence, si t'as répondu, je t'ai pas entendu. Non, tu m'as pas entendu parce que j'ai pas parlé. Je suis prête. Ah. Un plaisir, c'est grand, mais parfait. C'était plus loin que ce que je pensais en fait. Cherchais aux alentours. C'est parti pour le dernier round. L'allée Barthélémy Simonier. Je perds du temps à noter ça, hein, je vous le signale. Et il y a sûrement le nom de la ville, sauf qu'il y a trop de soleil. Trop de soleil, il fait trop beau. Qu'est-ce que c'est que ça? On est dans... What the fuck? Non, cette allée va être importante. Allée Timonier? Ah non, d'accord, c'est toujours la même. Et il n'y a pas le nom de la ville, c'était juste les dates.
de sa naissance et de son décès. Allée de Coville. Mais qu'est-ce que c'est que ce Berdier ? Où sommes-nous ? C'est quoi cette Zeddy ? Ok. Ok, le rond-point de votre chance. Cap, la D11. Je ne sais pas du tout. Alors si, je crois. Mais je vais me détester, je pense. Parce que moi, j'allais plus par là. Mais en fait, j'en ai aucune putain d'idée. Hein. Je vous dis ça comme... Ça va pas être assez grand, c'est ça ? Non, en fait, j'en ai aucune idée. Je sais pas pourquoi je me dis que c'est par là, mais... Gap, ouais, c'est ça. Gap, alors... sur la D111... par là... sud, Beauvallon, Crest, Dail. Mais aucune qui est... Oh, pas de kilomètre. C'est peut-être qu'on est... Non, mais non, on n'est pas proche, parce que c'est... Beauvallon, Crest... être compliqué. Sur la D111. On peut être très loin de ça. Hein. On est très loin de Gap, à mon avis, c'est ça le problème. La D11, ici. De toute façon, si... Ouais, mais non. Parce qu'elle arrive pas à... Elle arrive pas forcément à Gap. Donc là, sur la... en partant de Gap, je vais pas forcément voir la D111 du tout. 0 mètre. Oh, il m'a fait peur. Bravo. Il m'a fait flipper. Faut que je le baisse. Il m'a mis en état de choc. Je sais plus quoi faire de ma vie. Valence. D111, pareil, la 7, Valence. Putain, Valence, j'y suis passé tellement de fois à cette gare de mort. Et je ne sais pas où c'est. Si, mais bien sûr. Voilà, Valence, c'est là. Ok, donc D111, c'est entre les deux. Non mais j'y paie tellement paix de ma vie. Pourquoi je me suis mis là? Ok, peu importe. Ah ouais, d'accord, si on zoome, il y en a d'autres. Non mais vas-y, putain, je vais pas perdre tout le temps de ma partie à chercher la D111. What a life! Au secours. Un mètre. Et what the fuck, bro? Pourquoi? Ah, parce qu'il y a des toutes petites. Fallait, je suis obligé de zoomer comme ça? Est-ce que ma vie va arrêter d'être immonde? Nord-sud, qu'elle fait. Non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Beauvallon, Crest, Dier. Beauvallon, Crest, Dier. Crest, Dier, j'en sais rien, j'en ai plus rien à foutre. 0 mètre. Oh. Oh, ma vie est nulle. Gap, c'était où? Je sais même plus où on est. Je sais même plus où j'habite. Gap, si c'est là. La N85. Why is my life such bullshit? 11 secondes. Eh ben, je me fous entre les deux. Et nique la vie! C'est là. Pas du tout. 4999 points pour moi. Mais couille! Pardon. 47 km. 47 km. Aïe aïe aïe, Julien, dommage. Ça, c'était collé à Valence, putain. Moi, je me cherchais entre Valence et Gap, cette départementale de mort. On était même à Valence, en fait. Aïe aïe aïe. On était dans une zone commerciale dans Valence. Je ne connais que la gare.
Aïe, 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 aïe. Ok, très bien. On prévu, c'était un échec. Mais t'es pas dans Valence, hein, t'es à Porte-les-Valences. Ah ouais, c'est moi que j'ai vu un panneau de sortie de la ville de Valence à un moment. Ah ouais, ouais, j'ai vu aussi. Ouais, moi, juste à côté de départ, j'ai vu un panneau avec marqué Porte-les-Valences. Ouais, j'ai Porte-les-Valences aussi. On était vraiment. Ouais, entre les deux. Qui 25 000 au KLM? Ça fait mal. Et le 24 999. Le 25 000 là. Bien joué. Ouais, ça fait mal. C'est beaucoup. Ah, c'est dommage, Xavier, pour ton premier round, pour le coup. Terrible. Oui. Pas changé grand-chose, mais ouais. C'est bon. Temps de se chauffer. Du coup, ouais. Du coup, c'est premier, je suis premier, Julien deuxième, JD troisième. Quatrième, c'est Monté, Florence est cinquième, Bilou sixième et MV septième pour l'instant. Bon, écoutez, tout est faisable. Tout est faisable. On va passer sur un round Europe, si vous le voulez bien. Oui, tout à fait. Ouais, je veux bien. Bat C, c'est ça la fin? Oui. Oui. Yep. Florence est toujours là, je t'entends pas du tout. Angle droit? Ah, Florence? Ah. Ah oui. Ah d'accord, ok. T'entendais pas du tout en fait. J'ai une alerte et du coup j'entendais pas que vous m'appeliez. Il y a pas de... C'est celle qui finit par DC, on est bien d'accord? Tout oui. À fait. Oui. Bien, comme vous voulez. Ah, mais c'est moi qui dois faire le compte à rebours, ça, pardon, excuse-moi. Et oui, exactement. Ah, c'est un. Eh bien, 3, 2, 1, go. Europe, c'est parti. Putain, voilà, typiquement, normalement, je devrais directement reconnaître ces panneaux, sauf que je joue pas assez. J'ai envie de dire... Non, je vais dire une connerie. Ah, il y a ces S. C'est S, ça va nous aider en vrai. Oh, mais il y a tellement d'infos. Oh non, il y a du... Oh. Ah, ça me dit quelque chose. Ok. Je crois que je bouge trop de là. Voilà, normalement, j'ai quasiment tout ce qu'il me faut. Bon. Les S de mort, là. J'ai envie de dire Tchéki, mais non, en fait. Peut-être là. Donnez-moi un S de mort. Ah, ça, Serbie, peut-être? Non, mais Serbie, c'était... Non, plutôt, oui, bien sûr, plutôt Roumanie. Serbie, en plus, je crois que c'est pas Street View. Donc, j'ai... Il y a une des villes où je me suis dit c'est sûrement ça. Quoi qu'il y a le double affichage, et le double affichage c'est pas trop le délire. Plutôt là alors. La Bulgarie. Le BPOAC là, ça me dit quelque chose. Pouac. Sinon on est en Ukraine et là ma vie est dégueulasse. C'est pas impossible. C'est pas impossible du tout. Oui, c'est peut-être l'Ukraine ces panneaux justement. Oh là là. Je veux déjà en terminer avec la vie. Déjà que ça se termine. Oh là là. Seulement je connaissais... Ils ont censuré l'indicatif téléphonique. Des génies. Je sais pas où je vais. Pourquoi je vais par là? J'ai aucune info. J'aurais dû tryhard la map. C'est ce S là, Saponge. Le S bizarre, il vient d'où? Lituanie? Ponas, Vilnius. En Lituanie, j'ai jamais vu. Serait-ce possible alors? Non. Latvia, c'est non. Oh, je suis stressé. On n'est pas en Roumanie, ça c'est sûr. Ok. Mais attendez, il y a un truc. Oh, c'est local, ça. Hotel Internation. Ah, mais non, plein centre-ville, fallait que j'aille là, idiot. Mais c'est grand en plus. Oh mon dieu, je suis censé reconnaître ça.
Ah, ok. C'est lequel? Attends, c'est... Slovaquia? Il n'y a pas le double affichage. Si, des fois. C'est bizarre. Aïe, 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 aïe. Là, là, là. Des panneaux très généraux, mais ça suffira. Non, mais fais un effort, quoi! Oh, la PLS. Ils m'ont mis derrière le panneau, mais pourquoi ma vie est-elle si cruelle? 43 secondes, ben ouais, adieu. Adieu, adieu. On n'a pas le double affichage, ça me stresse. Quoi ? Pas du tout. Je sais pas où on est. Je vais me mettre entre les deux pays. Oh là là, c'est horrible. C'est quoi, Bopage Verbas ? Non, ça correspond pas les noms. Oh là là. 40 km. 52 km. 39 km. 10 mètres. 239 km. J'ai jamais trouvé le nom de la ville. Ah, 426. Ouais. Mais j'étais convaincu que la Serbie y avait pas, pardon. Ah, si. Et comme un idiot. Alors je m'étais mis en Serbie au début. Novi Sad. Donc, voilà. J'avais vu ça, je crois. Oh, yeah. Novi Sad, ouais. Ah, j'ai trouvé. Et ce boutique. Coup, j'ai jamais trouvé Sombor. Sombor, j'ai jamais trouvé qu'on était là-dedans. En fait. Pareil. Alors moi, pareil, j'ai jamais vu marqué Sombor. Comment t'as réussi En fait, moi j'ai déduit parce que moi je voyais qu'on était entre Subotica et Verbas. Et en fait, bah, c'était la grosse ville entre les deux là où je me suis mis du coup. Pareil. Je suis écœuré. Par contre, effectivement, c'était écrit en hongrois à quelques endroits. Et du coup, peut-être que Sombor, on parle hongrois, je crois. Ah, moi je l'ai vraiment vu sur les 15 dernières secondes, Sombor. Donc, ah merde, Florence, tu t'es mis où? Mis où ? Mais en Ukraine, j'ai jamais réussi à trouver le pays en fait. Je comprenais pas. Moi j'ai vu le drapeau et j'ai eu un doute, mais surtout putain, ouais. Bravo. Ok, bah je suis prêt pour la. Pareil. Également. Moi aussi. De même. Oui, pareil. Ok. Et j'étais en Ukraine aussi. 2, 1, go. Je me suis mis tout à gauche de l'Ukraine. Je sens tant que je faisais de la merde. Motor. Thundersk. Ah, c'est un Haut-Barré, d'accord, c'est la Norvège, ça. C'est Haut-Barré, c'est... Mais la Norvège, ils ont... Ah non, c'est Danemark. Ok. Ça, c'est jouable. Yoring, 35, sur la 35. 35. Frédéric. Chavn. 26. Ok. Danemark, hein, donc... 2 mètres. What? C'est vrai? Oui, oui, c'est vrai. Oh, le monstre. Et tu étais déjà tombé? Non, je ne suis jamais tombé là. What the fuck? 5 mètres. Ils sont tellement rapides. Frédéric Chavn, c'est là. À 35, c'est ça. On a Yoring à 9. Chioring ici à 9. On est sûrement à ce croisement-là, je dirais. Est-ce qu'il y a une station Shell? J'en suis là, hein, dans ma vie. Non, je déconne. Ah si, on est là, ça c'est sûr. Motorban... Ah oui, bah attendez, Motorban, c'est un bled. Motorban, qu'on me dit... Ah, Linderum à 5. Quoi l'autre? Saloperie. Ugi, quelque chose. Linderum, je suis dessus. Ah, mais quand je dézoome, je suis dessus. Ah oui, ok. Linderum, Ugil. On est sur la 35. Donc on doit être là. Sanderskov. C'est la Sanderskovei. C'est ça. Donc on est là. Je pense.
Sanderskovei. On rentre dans Sanderskov, donc ouais, c'est ça, ouais. Et on commence vraiment ici? Ah oui, on commence là, ok. 3 mètres. 2 mètres. Bien joué. Tout le monde a fini? Qui, là? Non, non, moi, je l'ai pas du tout. Je cherche. Ok, ok, vas-y. Je suis même pas sûr d'être dans le bon pays, donc coup dur. Ah, quel dommage pour... Je m'étais mis en Serbie, mais je sais pas pourquoi dans ma tête, c'est, j'avais pas souvenir d'avoir eu des trucs en Serbie et c'était pas géoguessé, quoi. J'aurais regardé 2 secondes en Serbie, j'aurais pu m'en sortir. Donc, Serbie, double affichage, panneau bleu et jaune. Oh non. Ah, la France, ouais, j'ai des grosses lacunes. À Julien Pagnac, déconne zéro. Hein. Mec, il a fait une erreur sur cette round, une erreur d'un point. C'est un pro, ah oui, d'accord. Mais je suis en chuffle. Je viens de remarquer que j'étais en chuffle sur les bandes son. Ça a l'air dur pour Mister Jidet. Il a pas le tips. Dès que les panneaux d'indication sont blanc et rouge, c'est forcément le Danemark. Évidemment en concordance avec le drapeau. On va prendre les langues pour step up à ça. Et puis bon, le vélo barré aussi qui nous avait mis la piste. Ouais, l'Islande, les panneaux sont différents. Je reconnais un peu l'Islande normalement. ...181 km. Aïe, aïe, aïe. D'accord, elle était là. Je croyais qu'elle était à peu près rangée par... Merde. Qu'elle était à peu près rangée par numéro. Les routes. Ah, les numéros de route. Hein. Ouais. Et je sais pas du tout comment c'est classé là-bas. Moi, j'ai cherché Frédéric Chavon parce que c'était à 35 bornes. Je me suis dit que ça allait se voir à moins de dézoom. Complètement, c'est ça. Et ensuite, j'ai vu Yorin. Et le nom de la... j'ai regardé le nom de la route en dessous de nous. Mmh. Bah, au final, bah, c'est comme ça qu'on a mis 1000 points. En fait, j'ai tout à fait visité cette région. Ah, je pense que tu es. Oui, je suis allé à Skagen, le dernier village du Danemark, là tout au nord. Ah, juste, Skagen, oui. J'idée, on m'a demandé comment ça fonctionnait le tableau dans le sens où il y avait marqué 16, 19 et tout, et j'ai pas su répondre. Oui, à chaque... expliquer vite fait. Pour chaque challenge, le premier a 19 points, le deuxième a 16 points, le troisième a 14 points, le quatrième a 13 points, le cinquième a 12 points, le sixième a 11 points et le dernier a 10 points. D'accord. C'est voilà. Les gens me demandaient pourquoi ces nombres-là, en fait. Ouais. Parce que peu importe le nombre de joueurs, le dernier a toujours dit. Mais c'est parce qu'on a fait des, pas on a fait 20, des, tu vois. Parce qu'on a fait des courbes de progression de score pour essayer de voir ce que t'es le plus fair, en fait. C'est ça. Mais du coup, tout le classement est basé sur le classement de chaque round, ou est-ce que le nombre de points qu'on fait a quand même une importance? C'est le classement de chaque challenge, en fait. À chaque challenge, on a un nombre de points qui est attribué. D'accord, voilà, en fait, peu importe de faire un, entre guillemets, peu importe de faire un très haut score, à part pour les combos, oui, ce qui ça. Compte, c'est d'être exactement. Devant les autres. C'est ça, okay. C'est d'être devant les autres, exactement. C'est très ça. Bien. Ensuite, avec plein de combos partout, ça doit faire le taf. Ouais. Exactement, tout à fait. Oui. Je comprends mieux, du coup, le 1 point bonus que je trouvais faiblard, mais parce que je réfléchissais en,
en points totaux de. Ah oui, c'est pas un 1 pour 5000 points, c'est pas beau. Disais, bon, les combos, c'est pas, le tableau est très horrible. Ok, je comprends beaucoup mieux. Merci beaucoup pour ce point. Et je pense que dans le chat aussi, ça comprend beaucoup mieux. Je suis prêt pour la suite, du coup. Quand vous voulez. Oui, ouais, moi aussi. Oui. Il y a pas... Mon tête est là aussi. Oui. Oui, ok. Bon, bah, 3, 2, 1, go. Wow. Wow, ok. Non, par pitié. Oh, j'ai déjà eu... Putain, on a déjà eu ça, on avait galéré pareil. Et je ne me souviens plus de la gueule de ces panneaux. Fais chier. Osinovka. Pas de double affichage. Non, ouais, par pitié, là, arrêtez les prendre, quoi. Oh là là. Vex Sloboda. Hommage à Slobodan Milosevic. Non mais casse-toi, toi. Mais ils sont sérieux? Ok. Donc on a Ska, Da, Loderi. Loderi, ça me dit quelque chose. Ça me dit vraiment quelque chose, Loderi. Ouais, attends. Oh putain, ah, mais je vais back comme ça, c'est l'enfer de back comme ça. Istra. 3 minutes 30. Panneau bleu, pas de double affichage. On peut être. Bah non, Serbie, on a eu quel affichage. On peut être en République tchèque. On peut être en. Non, j'allais dire pas. C'est pas la Hongrie, ça. Istras. Ogurein, Istras, c'est genre, c'est un nom, c'est pas un nom commun ça. Le bled, give me the bled. Oh, yeah. What? Ah oui, ok. My body is ready. Ça, c'est très russe pour le coup. Ok. C'est quand même le Loderi qui me dit quelque chose. Je suis sûr qu'on l'a vu quelque part. 2 minutes 30. Je vais me permettre encore 10-20 secondes d'errance. Je suis peut-être pas parti du bon côté, hein, je vais être honnête. Ah, y'a rien. Je crois qu'il faut que je compose avec ce que j'ai. Hein. Vas-y, aîné. Horrible. Horrible. Donc j'ai dit ça. Si je me souviens du goudron. Le quoi? Le goudron. Le goudron. Moi, c'est un truc à l'ancienne dans GeoGuessr. Ça date, hein, ça date. Ah, ça correspond pas vraiment. Quoique si, un peu. 9K. Plus à l'est, hein. Peut-être la Slovaquie, justement. Peut-être la Slovaquie. Loderi, hein, j'ai dit. Passionné. Oh là là. Oh, c'est horrible. Je cherche plus, mais oh là là. J'étais parti de quel côté? J'étais parti du côté. J'étais pas parti par là, je crois. Ça a l'air d'être la mort. Et celle-là. J'ai aucune idée, c'est atroce. Merci Game Lien. Ou j'aime Lien. Oh non, non, je. Non, vas-y, je cancel direct. Mais du coup, j'ai que ça comme info, quoi. C'est un lieu dit. Non, j'aurais jamais dû faire ça parce que maintenant. My body is ready. Thank you.
Pologne. Biskav, Sloboda. J'ai aucune idée d'où on est, c'est incroyable. Les noms correspondent pas. Waouh. J'ai remonté. Non mais là non plus. Oh, j'ai aucune idée d'où on est, c'est horrible. 5 km. La Latvia. Sérieux, mais... Ah, comment vous arrivez ? Fucking Latvia, oh non. Bah, j'ai reconnu la langue et après j'ai changé. Ah bah oui. Ça 920 fait... bornes. 692 bornes. Et même en n'étant pas convaincu de la langue, en fait je suis passé devant un cimetière avec des croix orthodoxes, du coup ça m'a aussi orienté. Ah. Mais j'aurais dû penser frontière russe dès que j'avais vu cette église de l'enfer. Non, mais pas d'accord, Monté, disons que tu comptes pas trop. Mais les autres, comment vous avez fait ? Alors en fait, le paysage ressemblait un peu à des trucs que j'avais déjà vu en Lettonie sur GeoGuessr. Du coup, je me suis placé dans ce coin. Et les noms, j'ai vu une ville qui s'appelle... elle s'appelait Pasiene, O-N-E. J'ai vu qu'il y avait beaucoup ce suffixe-là dans ce pays-là. Du coup, j'ai un peu cherché par là et j'ai fini par la trouver vers la frontière russe justement. Et à partir de là, bah, je suis revenu plus ou moins comme ça, en gros, jusqu'à... Par contre, je savais qu'on était pas loin de Vexlabada, quoi. Il y avait un panneau, moi, Ozindava, je sais pas quoi, là, j'ai jamais trouvé la ville. J'ai pas fait gaffe. Il y avait un lieu dit ou une connerie du genre. Ah, possible. Parce que du coup, ça m'apprend que sur la route, je me suis mis sur la mauvaise route. Et pour les 5000, bah, il y avait un arrêt de bus juste à côté, en fait, il est indiqué sur la carte. Et voilà, quoi. Oui, exactement. D'accord. Terrible. Voilà. Lettonie, quoi, bordel. C'est possible. Compliqué, hein. Compliqué, la Lettonie. Tu t'es placé dans quel pays Moi ? Ouais. Ah, Slovaquie. J'étais perdu, hein. J'étais perdu. Et Bilou et Florence, Pologne. Vous êtes placés où ? Pologne et Florence ? Pologne, moi. Ouais. Et moi, Estonie. Pologne aussi. J'ai cherché un pays où il y avait des panneaux rouges avec des A dessus. Voilà, ah, c'est ce que j'ai fait. D'accord. Atroce. On enchaîne pour enterrer ce point qui est... Ouais, ouais. Oui. Alors, oui, je valide. 3, 2, 1, go. C'est parti. Il y a 10 000 noms. Je suis mute. Ouais, c'est bon. Ok. Le train. Jeskig CZ. Ouais. Ok. Je pense. C'est audacieux, hein, mais. PL, Pologne. 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 Ok. My body is ready. Zdroj. C'est plusieurs fois que je le vois, mais ça se trouve, ça n'a rien à voir. Et ça veut dire la rue. Je m'excuse auprès de toute ma commu. Ok, pour l'instant, on va continuer. Novi Sax sur la 28. À combien ? À combien de bornes ? Limanova. Oui, Saxe, Limanova. Je ne vois pas là. No Widvor. Oui, Saxe, Limanova. Oui, Saxe. Ah, c'est pour ça qu'il y a des CZ peut-être. Limanova, c'est ça. No Saxe, Limanova. La 28, ok. Peut-être qu'on va essayer de rejoindre la 28, c'est peut-être le meilleur plan. Il y a aussi cette histoire de train là qui passe. On dirige vers l'ouest. Toujours ça. Je passe quoi là? Je passe un point. Un cours d'eau, hein. Je me dirige nord-est.
J'arrive à ce rond-point. Ok. Nord-est. La 28, c'est ça. Hein. Un rond-point nord-est. Ouais, c'est trop. Hein. Ivanova était en bas. Radovice. Sûrement de l'autre côté, du coup. Donc non, parce que c'est bizarre. Attendez, plutôt là, alors. Radovice, hein, c'est ça. The fuck. Des ronds-points déjà. Mais c'est la 2. Il y a la 28 ou c'est un 2B? C'est la 28. J'ai failli péter un plomb. Mais c'est un rond-point qui mène à 28, je suis con. Ok, j'aurais dû continuer 1 minute 18, je suis dans la merde. Radovice 28, ouais, d'accord, super. Et là, on est dessus, en fait. Ok, donc cette départementale. R de... une R. Ok, génial. J'ai eu l'arrivée dans la ville ou pas? Jamais? C'est avant? Après, non? Là, je vais full. Est, sud, est. Et là, je vais vers, soi-disant, Novi machin. Et c'est où, Vedovice, là? Visoki? Je crois pas, en vrai. Hein. Le train. Est-ce qu'on voit le train? C'est ça que j'aurais dû vérifier aussi. J'ai l'impression de le voir. Je suis perdu. Je dirais qu'on est plus au nord. Que Radovice, ça va être par là. Ouais. Je sais pas où je suis. Je veux que ça s'arrête. 5 mètres. Oh là là. Oh, bien joué. 342 km. 43 km. 21 km. 797 mètres. 297 km. Ah, le rond-point était là. Aïe, aïe, aïe. Non, ouais. Chercher Radovice. Ah oui, qui était très loin, d'accord. Ok. Ah oui, pardon. 43 km. Oh, j'ai jamais vu Rapkash Drosh sur la carte. Je l'ai cherché, mais en boucle. Moi, j'étais sur la route entre les deux, mais ouais. Florence, tu disais? Pareil que toi. J'ai cherché la route et tout ça. Et je serais plus... monter, ça veut dire quoi, la fin de la ville? Le... Zdrouille? Enfin, Zdrouille. Ouais. Je sais pas, ça veut dire Zdrouille. Je sais pas. Parce que je l'ai vu partout et je me suis demandé si c'était un coin, genre, je sais pas, un équivalent de sur Garonne ou j'en sais rien, ou sur Tarn ou je ne sais quoi. Ah, c'était là. Ça, on me dit que ça, on me dit que ça. Zdrouille, ça indique les villes thermales, on me dit. Ah, c'est genre les bains? Oh, en se mettant. Ouais, genre, c'est un peu les bains. En se mettant pile poil, si j'avais trouvé Radovice, tu mutes, hein. J'ai raté plein de fois des panneaux Slovaques. Si j'avais vu Radovice. Ah ouais. Mais c'est surtout que j'ai déjà perdu là à nouveau. J'ai vu Novi Sant chez là, Targ. Je me serais mis pile poil entre les deux. J'arrivais là quoi. Par là. Moi j'ai failli me refaire prendre par les numéros de route parce que t'avais 27, 29, 30, etc. tout à gauche, tout ensemble et la 28 toute seule, beaucoup plus. Ouais, c'est pareil. Là, moi j'ai pas trouvé Radovice alors que finalement, si vous mettiez votre point pile poil entre Radovice et Novi Sant, vous étiez pile poil dessus quoi. Dommage. Ouais, sur Rapka. Rapka, Benda, Bouteille Parking, etc. Incroyable. Ok. Ouais. Je suis prêt. Ouais. Merci Tambal pour les 3 siècles. Pareil. Oui. Ok. Et dans 3, 2, 1, go. Aïe, aïe, aïe. On visite l'Europe. Oula. Ok, au sud, on a de magnifiques montagnes. On visite l'Europe de l'Est. Que j'allais dire. Ok, c'était pas des travaux ça, ou si, c'est de la merde.
du texte. Donnez-moi du texte. Ça, c'est la Macédoine. Totalement la Macédoine, ça. Ok. Bon, alors. Il va falloir des panneaux. Novo Cognarevo. Ces panneaux-là me rappellent vraiment ça. À moins que ça soit partagé avec d'autres panneaux et d'autres pays. Et là, je suis esclave. Quoi ? C'est un cul-de-sac, vraiment ? Genre, c'est pas un prank, quoi. Ok. It's not a prank, bro. Si je repars du même côté où j'étais bloqué, je suis vraiment un génie. Bon, je crois que c'est bon. Là, on a un drapeau, là. Que je reconnaîtrais pas. Non, c'est bien ça. Ok. Ah bah du coup, ça, c'est pas bon. C'est pas une bonne news pour moi qu'il y ait le drapeau. Parce que ça veut dire que je vais rattraper personne, je pense. C'est un peu dommage. Attendez, je suis vraiment en train de faire la même chose, non ? Je vais plaine ouest. C'est pas une bonne news pour moi, ça. Merde, il y avait un autre drapeau, c'est pas grave, on trace toute notre vie. Je suis dans le bon pays, c'est déjà ça, mais je pense que tout le monde va l'être. J'ai besoin d'une grande ville, là. Smolari. Et là, les panneaux sont là, enfin. La ville la plus lointaine, non, c'est nul. C'est tellement local. C'est tellement local. Ensuite, ces énormes montagnes au sud et sont censées nous aider quand même. I suppose. Et ouais, c'est dur à voir. Là, on voit des montagnes au sud. Drenovo. Là, allez, ça peut être là aussi. Smolari, 4 km. Ah, non, mais c'est trop hasardeux là. Ensuite, en vrai, c'est peut-être le mieux que j'ai à faire, quoi, mais... de chercher ça, quoi. On est sur une route gigantesque qui fait est-ouest, mais j'ai pas plus d'infos. 1:48, je pense qu'à une minute, je traverse la map avec le peu que j'ai. Oh, ouais. Novo Selo. Ça va pas trop m'aider, hein. Sauf s'il y a un panneau, encore un drapeau. Non, mais c'est local. Mocrino. Polesino. Polesigno. Oh là là, j'ai mal. J'ai mal au crâne. Ah, j'ai trouvé aucun panneau genre vénère, quoi. Genre LED. Putain, non, non, c'est un plein centre-ville, là. Il y a moyen. Là, je suis où, là? Ils m'ont téléporté, ces bâtards. J'étais en plein centre-ville. Super. 4 mètres. Oh, le crack. Très très fort, parce que c'est fort. Novo Selo, c'est pas si... c'est assez grand au final. Mètres. Oh là là. Albatard. Novo Selo. Oh, oh, oh là là, le clutch. Quelque part, quelque part. Ah, là, à la plus à droite. 93 km. 248 km. 4 km, putain, j'allais me mettre plus à droite. Florence ? 316 km, je ne savais pas que ce pays était Street View. La Macédoine ?
Ah, j'ai reconnu les panneaux directs. Alors, juste... Pardon, oui. Juste, est-ce que je me suis fait prank en voyant un point B... Sur un camion. Un point BU. Non, BG. Point BG. Point BG sur un camion. Mais c'est pour ça que j'ai cherché à côté... En fait, j'ai vu le point BG sur le camion. Du coup, j'ai cru qu'on était en Bulgarie. Et en fait, j'ai vu le drapeau de la Macédoine. Ouais, il y a eu deux drapeaux aussi. Ouais. Vers la frontière de la Macédoine, entre la Macédoine et la Bulgarie. Ce qui était le cas, du coup. Bien joué. Ouais, et du coup, si c'était pas Street View d'un côté, c'est parce que c'était la frontière. Ah, bah, je suis pas du tout parti du côté frontière. Hein. Bah justement, c'était bloqué, tu pouvais pas aller plus loin. Bah, la Bulgarie et Street View aussi, donc à mon avis, il y a un trou, vraiment un trou dans, ouais, dans la possible. Couverture. Ouais, tout à fait. Quelle arnaque! L'arrachage de 5ème place! Tout, France, du coup, en fait. Comment? Bulgarie. J'ai rien compris. La Bulgarie. Ouais. Ça, du coup? Ouais, ta voix coupe un peu, c'est pas grave. Ah, ouais, pourtant je maintiens la touche. Bah, en Serbie. Ah, en Serbie, Serbie, d'accord, ok. J'ai là où je m'étais mis à la base. Il n'y a pas de suite. J'ai croisé un gros drapeau macédonien ensuite et. Du coup, je suis toujours. En tête sur le classement, mais ça c'est un peu resserré. Julien, 30... ouais, deuxième, suivi par Monté, troisième. Ensuite, quatrième, c'est JD, cinquième, Bilou, sixième, Florence. Ex-aequo avec Mister MV. Tout à fait. Ex-aequo. Arnaquer la cinquième place à Mister JD sur l'Europe. Tout à fait. Oh, mais ouais, j'avais vu. Oui, t'as eu. Avec ton coup d'or à 23 en plus, MV. Ouais. Quelle intimité. Heureusement, ma connaissance des panneaux macédoniens sans faille. C'est ça. Ok, du coup, le monde 1. Donc, oui. Ça finit par M4E. Ouais. D'accord. Oui. Est-ce que tout le monde est chaud, prêt, ready? Non, je ne suis pas encore prêt. Je suis pas encore prêt. Pas encore, okay, okay. M4E, on va bien dire. Oui. Alors, c'est bon de mon côté. Je suis prêt. Je sais pas qui dit LOL. Bilou. Qui dit LOL, c'est Bilou. C'est Bilou. Ouais. Donc est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Ouais. Oui, Divert World. Ok, let's go, 5, 4, 3, 2, 1, go. Oh, aïe, aïe. Ne perds pas le temps. Toujours un plaisir. Ok. J'ai quand même noté la chapelle anecdotique, mais elles sont souvent... Il y a un E noyé, je sais pas si je dois en... Ok. Maria Bietti, ouais, c'est bien ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Jesus. Ah ouais. Je vous dis tout de suite, c'est une très mauvaise nouvelle. J'y retournerai plus tard pour définir si c'est de l'espagnol ou du portugais ce que j'ai vu. Ah bah. Rio Grande, ok. Ushuaia 17. C'est marrant ça. Enfin, Ushuaia 243, mais que ça soit montré en fait. C'est bon, on est sauvé. Sur la 315, aéroport de Nice. Arrêt au port de Nice. 2 minutes d'arrêt. En sachant qu'après, on se retrouve... Est, ouais, ok. Mais attendez. Attendez, j'ai honte. Fait Rio Grande, Ushuaia, oui. Je sais pas pourquoi j'ai dit Brésil parce que j'ai vu Rio, mais je me dis Ushuaia, c'est tout au sud. Ça n'a aucun sens. Nicolas Hulot, tout ça. On est sur la 3. Donc sur la 3, en allant bah pour l'instant. Putain, même, on pourrait presque le faire comme ça. Là, je vais plein est. Pendant longtemps ou pas? Non, je repique. Ok. Et je quitte? Ah non. 6 mètres. Ouais. C'est jouable. Je refuse l'information. C'est jouable. Ok. Ah ouais, si t'as pas vu ce truc-là, Rutanac sur la 3. Donc on est sur la 3. Rio Grande
217 Ushuaia 243. Donc on est près de Rio Grande. On a Rutana qui est juste à côté au nord en théorie. Sinon je comprends plus rien à ma vie. Ok, sur le coin. C'est chelou. Je vais aller aux toilettes. Régale. Un plaisir. Attends. L'aéroport. L'aéroport, il est dans Rio Grande en fait. Attendez. Ah non, c'est qu'on va prendre la 3 à un moment. Oui, il n'y a que Rutana qui est sur la 3. Où on prend la 3, mais Rio Grande. On est sur la C. Ah, la route C, bien sûr. Ça, c'est critique. B, F, H. C. Ok, la route C est là. L'aéroport est ici. Donc on est là. Estancia Maria Brietti, c'est là où on est. Maintenant, il ne reste plus qu'à poser le point de manière critique. On a ça et la chapelle, qui est pas, évidemment pas indiquée. Ok. On est à une, on est à un croisement, tout simplement, un full croisement. Donc je dirais là. Est-ce qu'ils considèrent que ça, ce qu'on voit au nord, c'est ça probablement? Ah mais il y a même plus que ça, il y a une autre route qui part là. Enfin, je suis triggered là. Qui est censé être tout court, c'est ce qui va au sud. Le sud, c'est là. C'est pas clair. Attendez. Je veux juste être sûr de bien le faire. Et là, on part sur la grande route. On est au sud, sud-est. Ouais, c'est ça. Donc c'est bien ça. Hein. Normalement, il y a pas moins de toi. Je savais que t'allais y arriver. Y a pas d'embrouille, quoi. Hein. Moi, je vais faire ça. C'est pas facile, hein, comme. 3 mètres également, je voulais être sûr. 3 mètres aussi. Ah, putain. Là. Ouais. Diver's World. C'est vrai. Ok. Ouf. Ok. Incroyable. Attends, oh non. 8 mètres. Combien, Florence? 11 kilomètres. 4314 kilomètres. Ah, c'est moins bien joué pour le coup. Le coup dur. Tu t'es mis où? Pas loin. Non, mais pour de vrai, tu t'es mis où? Au Pérou. Tout le monde a rentré. Ah, au Pérou, ouais. Merde. Ouais. Du coup, en fait, j'avais trouvé direct qu'on était dans ce tout coin, mais par contre, j'ai confondu Estancia, la Violetas, l'Azur et... Ouais, pendant longtemps, j'ai cru qu'on était sur la route 3, j'ai pas cherché ailleurs. En fait. Bah pareil. En fait, t'as juste en dessous, t'avais le C qui t'indiquait quoi, la route C, exact. Mais j'ai jamais vu ce numéro de route, en fait. Ah ouais. Mais il y avait marqué route 3. Bah c'est sur le même panneau. Kilomètres quoi. Voilà, en fait. Panneau Rio Grande. C'est ça. T'avais le numéro de route. T'avais route Anac sur la route 3, mais en dessous, t'avais le C qui t'indiquait que c'était la route C. Et ouais, bah en fait, si tu partais au sud-est, t'avais ce panneau avec Rio Grande ou Ushuaia 243, donc c'était cool. Mais si tu le vois pas, c'est clair que c'est un délire. Ah, terrible Bilou, je suis navré. Il y a pas de soucis, je le prends très bien. Vous avez où Bilou, du coup? Au Pérou, il s'est mis. Au Pérou. Est-ce que tu veux connaître ma logique ou pas? Ah oui. J'ai vu des lamas. Ah, oui, d'accord, ok. C'est vrai, t'en as vu, mais oui, moi aussi. Moi, j'avais pas vu. J'en ai croisé plein aussi. Ah, j'en avais pas vu. J'ai dit lama, Cusco, l'empereur mégalo, Pérou. J'ai vu la même chose que toi. Ah, c'était pas si mal comme logique. Hein. Ça peut marcher parfois. Ça peut marcher. On est d'accord, je sais pas c'est vous si c'est ce qui vous a aidé, mais moi j'ai vu juste Ushu et après c'était flouté. Oui. Ah, je l'ai jamais vu Ushuaia. En fait, j'ai pareil, vu le paysage, je me suis dit que ça ressemblait à la Terre de Feu. Et à un moment, j'ai vu Rio Grande, genre Golf Club Rio Grande, et j'ai vu que c'était... Je l'ai vu, et c'est comme ça que j'ai trouvé le Estancia Maria Brietti, la machin. Non, moi j'ai dit Rio Grande, j'arriverai pas à le trouver, il est pas indiqué assez loin, et j'ai vu... Bon, je vais chercher sur toute l'Amérique du Sud une ville qui commence par Ush, et après, j'ai vu Ushuaia que je connaissais, mais je savais pas que c'était là, et j'ai vu Rio Grande à côté, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est là, mais heureusement qu'il y a eu ce panneau, quoi, sinon... Ushuaia, oui, tout à fait. Si j'avais vu, le panneau Ushuaia, je me serais placé près de la tour TF1 à Boulogne et j'aurais vraiment fait n'importe quoi. Bien sûr. Magénico. Ok, je suis prêt pour la suite. Pareillement. Moi aussi.
5, 4, 3, 2, 1, désolé, let's go. Ok. Nordique, sûrement. Ah, zut. Info. Putain, faut pas que je backdash comme ça, c'est le pire move. C'est le pire move, donc. Il y avait une info ou pas? Je l'ai rêvé, mon info? J'ai totalement rêvé, ouais. C'est une poubelle. Mon info, c'était une poubelle. Ok, il y a un truc là. C'est quoi cet accent? Ok. Putain. J'ai un doute, ça m'énerve. On va essayer de trouver un autre panneau. Mais je suis pas sûr qu'on en trouve beaucoup d'autres. Hein. J'ai déjà vu ces panneaux-là. Je suis perdu. J'ai déjà vu ces panneaux-là, ça me frustre. Ça me rappelle des panneaux suédois, mais le nom... Why not, hein? Ah, mais prenez des photos plus floues. Mossowagen. Oh, il y a les longitudes là. Attends, c'est quoi cette connerie? Dommage. Si seulement je savais. Ok, cool. Une vraie info. Je pense que j'aurais difficilement mieux, sauf si je rejoins la ville. Alors, les trémas, c'est très finlandais. C'est juste l'accent, là, l'accent bizarre, j'ai un doute. Quoique là, non, c'est suédois. Hein. Moi, je pense qu'on est en Suède. C'est même sûr. J'aimerais bien voir cet accent qui me rend ouf, pour être rassuré. Je le vois pas. Donc je suis pas rassuré. Tiffin Spang, ouais, ok. C'est bon, Suède. Reed ou Bakaskog, ça va être compliqué, je pense. Reed. Bakaskog. Je vais prendre plus d'infos, je pense. Non, je voulais aller vers Reed parce que c'est la ville la plus proche. Non, Gadeviksas, là. J'aurais dû prendre le nom. Je vais prendre le nom. J'ai combien de temps? 1:46, je vais pas prendre le nom. Oui, on est d'accord. J'ai vu du bleu, du jaune, donc je vais dire que c'est bon. J'aurais dû chercher les villes en vrai. Je me fous dans la merde là. Non, c'était pas cette merde qu'on a passé quand même. Ce micro truc. Combien de temps? Trop peu. Ok, cool. Unamala. Thingsgrid. Karlshamn. Thingsgrid. Karlshamn. Thingsgrid. Karlshamn. Karlshamn est à 27. Ok, Karlshamn, Thingsgrid. Je savais plus qu'on est par là. Henning, Stengepren, Logopren, Alabro, Balgano. Qu'est-ce que je cherche comme nom? Je sais même plus ce que je cherche. Reed, c'est là, à 16. Gadeviksas, ça serait le mieux. À 16, hein. Adbagan. Gadeviksas, Mossowagen, Astavagen, Middingsbrat. Bakaskog. Je suis perdu. Ça va faire mal celui-là. Il va faire mal. Oui. Je
coup, je mettrai plus par là. Ride est à 13, mais de l'autre côté. 733 km. 502 km. Oh là 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 là. 5 km. Vers le nord. 5 km, Bilou. Ouais, non, moi. Oh. Ah, c'est toi, Xavier, putain. Ouais. Et Florent, ça fait combien? 52 km. Oh là 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 là. Chaud. Waouh, waouh, waouh. Jamais eu d'infos. Ouais, jamais eu d'infos pertinentes. Au dernier moment, j'ai eu Almult, qui était une ville un peu plus grande que les villes que j'ai... Enfin, il fallait quand même zoomer pour la voir, hein, sur la carte. Hein. En fait, ouais, c'était la merde. Et moi, j'ai vu qu'il y avait une ville, petite ville, la Gadeviksas, à deux bornes. J'ai cliqué comme un ouf pour y arriver. Et j'ai eu Karlshamn, qui est au sud du pays, qui est un peu plus gros. Je l'ai vu, mais je cherchais en Norvège. Putain, je suis vraiment teubé. Ah ouais, non, moi, j'ai eu que de la route de campagne. Ouf. Rentrez bien vos points. Ouais, ouais, ouais. Oh là là, je profite de ce moment unique de la soirée. T'as placé en Norvège, Antoine ? Ouais, ouais, je me suis mis en Norvège, ouais. T'es quand même plus proche que moi, yes. Pareil, ouais, ouais. C'est des longs pays, hein. C'est des longs pays. Ouais. Il y avait plusieurs panneaux locaux, il y avait la longitude et la latitude, mais je dois vous avouer que ça m'a pas aidé. Je voulais attendre la fin du round pour aller faire pipi, mais en fait, je serais plus focus sur les rounds suivants. Ah oui, maintenant. Le pipi focus, c'est incroyable. Régale-toi, pisse donc. Bah, j'y vais. Je reviens. Ok. Allez-y. Allez pisser tous. Bon bah ouais, bah j'y vais aussi dans ce cas-là. Allez, de la grande pisse pour tout le monde. Allez. Je comprends pas pourquoi tout le monde se lève pour aller pisser. J'imagine que vous streamez pas depuis très longtemps. C'est exactement ce que je disais. Vous n'avez pas la chaise. Ils ont pas la chaise, ouais. Bien sûr. Vraiment la chaise très très vendue chez les streamers. Chaise trouvée. D'ailleurs, il y a marqué VC sur mon siège game. Hein. Ouais. Bah oui, c'est pas pour rien. Et oui, incroyable. Mais ouais, j'ai eu un micro doute, mais heureusement, en fait, il y avait l'accent, tu sais, l'accent rond sur un A dès le début, et j'ai eu un micro doute, donc j'ai quand même parcouru la Suède, mais je pensais bien que c'était la Suède. Ensuite, ça a été... On pouvait pas être en Norvège, parce qu'il n'y a pas de tréma en Norvège. Ah, en plus, ouais. Ouais, je m'étais dit, moi, Suède ou Finlande, tu vois. Et ensuite, Suède. Non, c'est des AE mêlés ou des O barrés. Mais il y a aussi... Mais si on regarde la ville de A, juste la lettre A... Tout en haut de la Norvège, il y a des. Juste une lettre A et t'as un accent dessus. Il y a des ronds en chef, donc il y a des ronds sur les. Il y a des ronds. Ah, bah c'est ça ce que j'avais vu. C'était ça ce que j'avais vu. Et tout au début, on a atterri dans un bled qui s'appelait Grondebroda avec un haut tréma. Et c'est pas possible. Du coup, ça élimine la Norvège de base. Ah. Oh putain. Alors moi, j'ai pas toutes ces connaissances là. Terrible. Terrible. Re voilà. Re. On attend Bilou. Ah, t'es revenu, Bilou ? Oui. Ah tout le monde est là ? Ah oui. On l'aurait. Oui. Et tout le monde est prêt, du coup ? Moi, je suis prêt. Oui. Je me suis quasi. Oui. Oui. Ok, bah dis-moi quand t'es prêt, Julien. Je le suis. Eh bien, 5, 4, Florence, 3, 2, 1. Okay. Elle a dit oui. Ouais, quoi ? Je l'ai pas entendu, Florence, pour ça. Je lance ou oui ? J'attends Flo du coup. Flo ? Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Aïe, aïe, aïe. Ok. Commercial Calderon. Hôtel Miraville. Pas de site internet, faut pas déconner. Arrêt. Toujours chaud, ça. Ok, va falloir prendre une décision. Ok, on a des énormes montagnes. Mais bon, ça va pas nous aider, je vous spoil. Où ça ? On est où ? Ouest, sud-ouest, ok. Oh là là, là c'est ça le bail. Ça, on peut perdre beaucoup de points. Hein. On peut perdre beaucoup de points ici. Merde, attendez. Internet, scolaire, institutionnel.
Ok, pas de panique, pas de panique. Est-ce que je fais bien d'aller vers les montagnes? Rien n'est moins sûr. Si, peut-être. Il y a trop d'infos que je bypass, là. Je suis à la recherche de panneaux que je trouverai jamais, donc c'est peut-être pas le meilleur bail. Ok, si on rejoint une grande route, c'est le bon bail. À l'Oasis, donc c'était bien ça où on est. Il y a marqué New York. Latacuncha. Kunga. Latacunga. Ok, on va rester là-dessus. Hein. C'est bien ce que je lis? Ah non. Estación, Haciendas. Ok, New York, lol. Oui, il y a marqué New York là-dessus. Okay. On s'en fout. Ok, là peut-être plus... Ah ouais, donc Machachi, ouais, c'était bien ce que j'avais vu aussi sur l'hôtel. Donc on était plutôt à Machachi, je pense. Vas-y là, c'est relou. Quito. Putain, on est où? Visitanos, machin. Il n'y a pas des drapeaux. C'est quoi ça? En haut, là. Ce qui m'intéresse, c'est en haut. Équador. Ok, ça, c'est déjà Quito. Ok, Quito. Ouf, je respire, là, d'un coup. Ok, Latacunga, c'est ici. Latacunga, d'accord. On doit être sur le 35. Latacunga. Aloasi, Quito. Latacunga, Quito. Donc, c'était la même direction. Machachi. Machachi, c'est vu. Machachi, ici. Le motel de merde, est-ce qu'il est, il y est? Sûrement. Ok, revenons au début. Macromaxi. Ok. Ouais, j'aurais peut-être... Qu'est-ce que j'ai fait pour... Je suis allé vers les montagnes pour trouver le... Je suis allé vers les montagnes qui sont en ouest-sud-ouest pour trouver la route principale. Donc, je suis plutôt là. Ouest, ouais, ouest, ouest, sud. Donc, ouais, ça, c'est de, ça doit être la grande route en l'occurrence. C'est quoi ce truc énorme là? Il y avait l'hôtel machin de Machachi. En rose, les hôtels. En rose, les hôtels. Hacienda. La station. Ah non, mais c'était hôtel quelque chose d'autre de Machachi. Ok, attends, il faut que je me concentre. Il y a ce grand truc dans un hôpital ici. Comment j'ai trouvé? Il y avait un vieux truc d'internet, mais il me faudra un gros truc. C'est quoi cet énorme parking là? Une station de bus? Non, c'est quoi? C'est une... Là, je me dirige vers le sud. Total sud. Et on se casse de la ville. Donc plutôt sud de la ville, c'est sûr. Non, mais c'est grand en fait. C'est grand cette merde. Enfin, j'ai du mal à dire où on est. Il y a le nom des rues. Je suis con. Bah oui, il y a le nom des rues, espèce de con. Oh là là, j'aurais pu tellement scorer à 5000. J'ai pas regardé le nom des rues, quoi. La base absolue. Est-ce qu'on met le nom des rues ici? Non, c'est pas clair. Commercial Calderon. Écoutez, on est dans la bonne ville, on va pas se plaindre. Hein. Ah, quoi que c'est peut-être l'autre ville. C'était peut-être à l'Oasis, là. 931 61 km. 200 mètres. 163 mètres. Oh, mais vous êtes trop fort, je suis nu à chier, c'est incroyable. J'ai mis un petit sauvetage chez moi. Je suis passé. T'es passé de... Florence? Nice. Le nom du pays. Ah, incroyable. Ah oui. J'étais en Argentine hein, jusqu'à il y a 15 secondes et j'ai trouvé la ville en changeant de pays à la toute fin. Moi j'ai eu la ville en lisant sur un bus, sachant que je cherchais une autre ville pendant toute la partie. Moi je cherchais j'ai filmé Gia partout. Mais oui. Et ben c'est pas là qu'on est. Ah, moi sur l'espèce d'autoroute, j'ai vu un petit panneau d'information, j'ai zoomé toute ma vie pour voir le Ecuador, j'étais content. Et ensuite, j'ai trouvé la ville assez vite. Pour le coup, dans le centre de la ville, c'était écrit partout. Partout. Mmh. Ah, je continue ma strat de ne pas faire de combo. Mister MV premier hein, sur ce round pour l'instant. Tout à fait. On attend une confusion Norvège-Nouvelle-Zélande pour renverser le game. Nous verrons.
que tout le monde est prêt? Oui. 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 Moi, je suis prêt. Oui. À Irlande, ouais. Nouvelle-Zélande. Ok. 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Ok, en anglais et en coréen, ok. Le coréen, ça, ouais, le rond au-dessus. Oh là là, on est au milieu de nulle part. Et on fait un nord-sud. Il n'y avait pas le nom de la route, hein. What? Oh, mais c'est bizarre ce climat. Il y a des panneaux là-bas, je veux les voir. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, JD? Ok. Ben, on l'a déjà fait, on est d'accord. Ah bon? Ah bon? Moi, ça me dit rien, moi. Ah bon, moi ça me dit rien non plus. Ah, mais il y a quelqu'un qui me dit qu'on l'a déjà eu, effectivement. Il y a des gens qui me disent. Ah, moi je m'en souviens. Moi je l'ai pas eu, hein. Super, super. Moi je vais repas le trouver, donc ça me dit rien, donc. Je suis désolé, ça me dit rien non plus, mais les gens le disent, donc je leur fais confiance. Moi je vous confirme que je l'ai pas fait, je suis pas vénère. Ok. Gencheon, là ça me dit quelque chose. Gangneung. Pas ça. Hein. On a vu 2 et 4, mais je sais pas à quoi ça correspond. Je pense qu'on est directement proche d'ici, mais. Il n'y a aucun nom. Ah, mais ils l'ont géoguessé eux-mêmes. La 2 et la 4. Ah putain, c'est seulement si on zoome à fond qu'on voit quelque chose. En plus, j'ai noté approximativement parce que je vois pas vraiment, quoi. Faut qu'on avance, les amis. Slower traffic, keep right. Merci beaucoup. Aucune idée si on est au nord ou au sud du pays. Ah là là, non, c'est de la merde. Quand c'est vert, c'est local. C'est même des infos, quoi. J'ai presque envie de partir de l'autre côté. En plus, la qualité photo se désagrège. 3 minutes, je peux encore me permettre encore quelques clics, voir si je vois un truc au fond. C'est de la merde, le panneau vert. C'est de la... Ah, Yeongju. Ouais, mais ça, c'est peut-être la province ou la région. Est-ce que j'ai assez de noms pour tryhard la vie? Est-ce que je suis parti par là? Si je suis encore en train de partir du même côté, je me déteste, sachez-le. Probablement. Ok, la 928. Putain, ouais, c'était par là qu'il fallait aller. La 928 à droite. Yeshéon. Ah, c'était ça que j'ai vu, Yeshéon. 928. Ok. 2 minutes. Je viens de passer des trucs là, ouais. Oh putain, fallait partir de ce côté-là, je suis dégoûté. Allez, j'ai assez de noms pour y aller, je pense. Aucune idée d'où on est. Yeongcheon. Non, c'est Yeshéon. J'ai vu un Yeong à un moment. Yeongju, Gencheon, non, je suis pas sûr. Enfin, ensuite, j'ai noté des trucs très approximatifs. On a quoi comme route ici? La 20. Non, c'est pas bon. La 20, la 28. 23, 928. Ouais, mais 928, c'est une locale. Aïe, aïe, aïe. La pression. Yeong, Yeongju. Je restais là quand même, Yeong. Il y a deux noms avec Yeong, donc c'est peut-être la bonne région. C'est quoi la 928? 911, 918, 917? 12 mai. 930. Il y a une logique là-dedans. Oh, j'espère que je suis pas en train de faire de la merde. 930, putain, et comme par hasard, je tombe sur des trucs qui me disent que je suis peut-être dans le bon coin. Ah ouais, j'ai fait n'importe quoi. Oh non. Yeongju, ouais, ça c'est la grande... Ouais, mais Yeongju, c'était loin. Yeongju, c'était signalé à un moment, mais c'était loin. 935, 915... Oh là là. Oh, et on voit rien si on des 928.
Ok, 928. Au moment où on la prend à droite pour aller à cette merde, je suis en train d'aller vers le sud. Donc, je suis par là. Peut-être ce pont-là. Non, il n'y avait pas d'habitation près de nous. C'était sur l'eau où on était au début. Deux secondes. Ah, je sais pas. Aïe. Combien ? 7. 19. 501 km. Ah merde. Ah là 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 là. Tout le monde a fini là ? Ouais, j'ai fait 105 km. Ouais. Alors. Toujours pas de combo. L'endroit qui correspondait. Enfin, il y avait plein de. Il y avait genre 3 ou 4 checkpoints de. Ça correspond. Ouais, là, il y a effectivement une route. Là, on a la flotte qui va dans ce sens-là. Ok, je valide et c'est 9 km. Mais effectivement, là où j'ai fait l'erreur, c'est qu'on était très clairement sur autoroute. J'ai pas... C'était même indiqué au milieu de l'autoroute. Ouais, on fait 55. Ah oui, non, non, mais je. Mais je très con, hein. Je me suis même pas placé dessus. Enfin... Voilà quoi. Terrible, je peux m'en remettre qu'à moi-même. Hein. Florence, t'as pas confirmé tes points pour le coup. Ah, pardon, dessus, oui. Aucun problème. Ok. On va passer au round suivant. Enfin, moi, je suis prêt. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Ah, oui. Flo? Moi. Eh bien, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Aïe, aïe, aïe. Non, 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 non. Il faut pas se gourer. Oh là là, faut que je trouve. Ok. Ça va être en rebeu ou en espagnol? C'est en rebeu. Il y a quelques choix possibles, mais ça coûte très cher si je me gourre. Oral suite ou Jaira. Ok. En gros, il y a ici. Sinon, il y a là. Ah, si seulement je m'étais souvenu des panneaux, quoi. Il y en a un. Il y a une troisième possibilité, je crois. Point. À eux ? Non. À eux ? C'est point AE pour Émirats Arabes, j'imagine, parce que moi c'est UAE, moi je suis habitué à dire UAE, mais je pense qu'on est bon alors du coup. J'ai un doute. Il me faut de l'autre affichage. Parce que de toute façon, on sait que. Oui, non, mais c'est ça, que l'Algérie il n'y a pas. Et ça doit pas être ça, ça doit être AG, je crois. Et ça. Non, ça colle pas. Et l'autre pays où il aurait pu avoir, c'est Tunisie, mais il y aurait le double affichage français. Donc je pense qu'on est pas mal déjà. C'est déjà cool. Maintenant, il me faut une indication. Albitam Fort, ouais, ça, on les connaît bien. C'est Blaze. Attention, ok. Albitna. Albitna Fort. Albitam, c'était autre chose. Bah peut-être qu'Albitna, c'est bon, hein. Ah mais putain, pff. C'est grand comment? Ok. Je sais pas si tout est... Oh, vous... Non, ça peut pas être fonctionné. Je sais pas si tout est géoguessé. Enfin, Street View, ouais. Albitna. Forte. Aucune idée pour l'instant. J'avance. On est dans les montagnes, hein, quand même. Totalement dans les montagnes, donc je vais pas me mettre aussi près de Dubaï, je pense. Oh là là. Ah non, d'accord, c'est blanc. Je pensais qu'il y avait une censure intégrale, genre le truc te disait exactement où t'étais. Albitna Fort, toujours. Ah ouais, ok, c'est bon pour le pays, c'est sûr maintenant. Bitna. Hein. Mais quelle route ? Albitna Fort, Bitna. Je pense que. Le pays est pas si grand que ça. Bitna, Albitna, Bitna, Albitna. J'avais dit que c'est peu probable qu'on soit proche de... De Dubaï, mais ça se trouve, je me gourre totalement. Hein. Albaya.
c'est con parce qu'il y a des noms de routes partout, quoi. Ah, c'est trop con. Attendez, je suis en train de faire un nord-sud, hein, plus ou moins. Vas-y, faut que je tryhard. Nord-sud entre les montagnes. En vrai, si je panique un peu moins, je pourrais m'en sortir, je pense. Massafi vers le nord. Ah, mais ça rend dingue. 52 mètres. Ah, ok. Combien? 52 mètres. Ok. Ok. Putain, bien joué, j'ai vraiment que dalle. À part le pays, et encore, c'est de la déduction. J'étais tombé, enfin, pas sur ce point, mais pas très loin, il n'y a pas très très longtemps. Comme par hasard. Comme par hasard, comme si tout était scripté. C'était pas ce point, c'était vraiment un point, non, à 2 mètres. C'est pas la même. Allant vers le nord que j'ai vu. Est-ce que j'étais parti au nord dès le début? 30 secondes, merde. Je suis vraiment pas loin. Je tourne à gauche, je me retrouve nord-nord-est. Et à un moment, on me dit « Oh, Bitna, c'est insane !» Quand je quitte cet endroit, cette agglomération, est-ce que je serais pas plus là? Ah putain, j'étais au nord. Je suis trop con. 7 km. 177 mètres, c'est quand même les 5. 1 km. C'était pas le bon pays. Oh là 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 là. Oh Dieu. Il savait que Fujairah c'était dans ce pays-là. Et je m'en souviens que maintenant. Aïe. Sur le truc où t'as dû voir Fujairah, c'est le truc des hôtels, il y avait une URL avec .ae. Non, moi c'était des pancartes routières. Désolé, hein. Merci Aquaria pour le host. Mais le truc d'hôtel, j'aurais... Merci Shiva pour les 5 subwoofers. Merci Zazamu, Kriketo, Inocide, Karae, Wolf War, 66 Shinken, BCD, Romboss OP. Ça va ? Chloé, salut, merci. J'ai eu un anniversaire. Alors, merci Doyou Yahoo pour les 3 secs. Oui. au départ, je m'étais mis en Jordanie. Et ensuite, je me suis dit, attends, je vais quand même vérifier si Massafi est aux Émirats Arabes Unis. Et là, je vois Massafi aux Émirats Arabes Unis. De coup, je me place aux Émirats Arabes Unis. Ah, sauf bah, que je vois les autres villes qui m'indiquent. Et sauf que je sais qu'en Jordanie, toutes les villes ne sont pas bien indiquées. Du coup, je me dis, putain, ça ressemble quand même à Jordanie quand même. Du coup, je me remets en Jordanie comme un connard et je fais 2112 km. Ah ouais, non, mais la partie montagneuse des Émirats, on l'oublie totalement. Et c'est vrai que ce genre de décor, on se dit Jordanie, quoi. Moi, ouais, j'ai vu le. Je mérite ce score. Il y avait le site internet à eux et le drapeau à un moment. Montagneuse. En fait, vraiment. Les Émirats, c'est très très plat, sauf cet endroit vraiment presque très précis, tu vois. Bah, c'est qui n'est pas beaucoup strip-louvé en plus. Bah, alors c'est que c'est vraiment que des reliefs qui ressemblent beaucoup à ça. Du coup, c'est vrai que bah, moi, je me suis dit, Jordanie, première frame, quoi. Et je suis pas changé d'opinion, quoi. Tiens, à droite du pont, il y a un espèce de pays dans le pays, non? Ah, Oman. Oui, il y a Oman qui a une enclave, Oman qui a une enclave dans les Émirats Arabes Unis. Et à l'intérieur de l'intérieur. Ah ouais, j'avoue. Il y a encore une enclave des Émirats Arabes Unis à l'intérieur de l'enclave. L'embrouille. Tout à fait. Je pense qu'en cas de guerre, c'est l'endroit le plus simple à envahir. Du coup, sur ce challenge, c'est MV qui a dominé de ouf. Oui. 24 914. Incroyable. Ensuite, en deuxième, c'est Monté. Troisième, c'est JD. Quatrième c'est moi, cinquième c'est Bilou, sixième c'est Julien, et septième c'est Florence qui a eu plusieurs coups durs de suite au milieu là, mais à part le mais premier et le dernier rang, il fait 5000 quand même. C'est vrai, effectivement, tout à fait. T'as fait 5000 à la fin. Je... Les zéros combos font mal. Hein. Ah, MV, t'es un danger pour moi quand même, là, t'es un danger pour moi. Du coup, pour l'instant, au classement général, on est ex aequo avec Monté à la première place, à 52 points en tout. Pour l'instant. Bravo. Pour l'instant. Tout à fait. Du coup, je vais tirer un dé virtuel pour les malus du prochain round. On s'était dit que de 1 à 2, c'était partir un jour. De 3 à 4, c'est le speedrun. Et 5 à 6, c'est pas de malus. Ok ? Ouais, tout à fait. Sur New World, là, non ? On est d'accord ? Non, là, ça va être la France. Hélas. France. Ok, je roule le dé. Et c'est un 2, du coup, c'est partir un jour. Pas le droit de revenir au point de départ. Pour la France, putain, non. Pour la France, en plus, c'est terrible parce qu'il faut être précis pour avoir des points en France. Exact. Ok. C'est vraiment terrible. C'est le
Merci à Chronos 999 pour les deux siècles. Je vous conseille à tous, dès le départ, de placer votre point quand même. Parce que si vous cliquez sur le drapeau, vous devez faire make guess sans bouger votre point. Ah oui. Ah, voilà. Ok. Bah oui, ah oui. Vous n'avez, donc si on prend la map. Retournez au point de départ, vous faites make guess tout de suite. Si vous n'avez pas mis votre point, vous faites 0 point. Donc c'est la map France 2 qui se termine par OM. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Ah, attendez, je ne suis pas prêt. Allez. Ok. Ah, c'est parti. D'accord. Ah non, 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 c'est pas... C'est non, pas non. Ah merde, lancé, bah, j'ai lancé, désolé. Ah, okay. Bon. Bah, on s'est... Mes excuses à la commu. Faites comme vous voulez. Ça finit par OM. Je suis prêt, allez. On... Oui, OM, oui, oui, on lance. Okay, okay, okay. Vas-y, vas-y, Julien, tu fais le déco. Ok, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Fruges, qu'est-ce que j'en sais, moi. Imaginez à quelqu'un qui connaît, là, le crack. Des numéros de téléphone. Faut... Oh, il y a un numéro de téléphone, là. Je peux pas retourner au début, hein. Putain, faut pas que je fasse cette erreur. Ok. Donc, 3, c'est par là. Good luck. Ok. J'ai tellement peur de faire une erreur. Ok. Alors ça a l'air bien vite par là où je vais. En plus j'ai perdu du temps grave. Et ensuite tout de suite c'est la cambrousse. Ok. Oh, fuck. J'ai quand même retourné dans les terres. Radingheim il y avait. Ah, dans l'Alsace du coup. Holstein, Guenau. On est dans le coin où il y a ces bails-là. Il y en a beaucoup. Hein. Chou. Au secours. Oh non, les TP démoniaques. Ah oh putain, j'ai fait retourner au départ. Ne retourne pas au départ. Jamais. Là, il y a des panneaux, c'est sûr. À l'église. L'église, il y a toujours des panneaux à l'église. Abbeville. Beaumesse-les-Aires. Ok, putain. Waouh. Descente 30. Lugy. C'est vraiment atroce. J'en suis déjà à 3 fois où j'ai failli cliquer. Hein. C'est très, très dur. Ah oui, fais attention. Ouais, ouais. C'est un peu dur. De... On pourrait se coder un truc où, on où ça l'enlève tout simplement. Ah, moi, j'ai placé un post-it, un tout petit bout de post-it sur le bouton. Voilà. Et ben j'ai quand même failli cliquer. Putain, ville, j'ai déjà eu, je crois, ça me dit quelque chose. Vous allez me détester. J'ai déjà abandonné tout espoir de faire les 5000, hein, perso. Vous allez me détester, mais je me souviens pas où c'est Abbeville. Ce Abbeville va me faire douter un truc de malade. J'ai quand même resté sur les noms, mais là je vois plus de noms. Le nom de l'enfer. Libourg. Beaumesse-les-Aires. Alors il y a Metz, mais. Ah, plus par là alors. Non, ça n'a rien à voir. La D, 928 et 130. Là, mais non, mais on s'en fout, on sort. Il y en a trop. 72 mètres pour moi. Aïe aïe aïe. Mais je me serais jamais souvenu du point de départ. 919. Retrouvons Abbeville déjà. Amnéville, Thionville. Je suis en PLS. En PLS, j'ai aucune info. Libourg, Avéville, Sarrebourg.
crois que j'aurais dû continuer. Il y a la 130 là. Non, enfin, il n'y a pas la 130, justement, il y a la 132. Oh, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Il y a des noms, hein, des noms à consonance encore par là. Oh, je suis tellement dans la merde. Oh, il y a un bébé. Oh non, le nerf bébé. Bébé! Oh non! Un petit gâteau? What? 352 km? Combien, Florence? 9 mètres. Oh, mais putain, mais vous êtes super chaud, pardon. 1 km, j'ai jamais trouvé le bled. 260 km. 324 km. Yes, 681 points. 7 km. Ah, mais t'as mis où? Ce prank! Je me suis placé vers Metz. En fait. Pardon, MV, tu t'es placé où? Oui, désolé, j'avais un nerf bébé en cours. non, mais en fait, je me suis pas souvenu de Abbeville du tout, comme un idiot. J'ai vu un nom à consonance alsacienne. J'ai pas vu Abbeville. J'ai pas vu non plus. Je l'ai pas vu non plus. En fait, je suis arrivé à... Non, mais vous auriez été fous. Je suis arrivé à un truc où il y avait vers la D130, Lugy, Beaumès, Les Airs, et vers D928, Abbeville, Libourg, etc. Bref. Et mais voilà, donc je me suis placé près de Metz. Une catastrophe. Quel gâchis. Moi, je commence la France comme je l'ai commencé tout à l'heure. Le panneau d'agglomération, j'ai vu commune de... Enfin, un nom d'un bled en dessous commune de Fruges, mais en fait, on était à Fruges. Oui. Ah oui, il y avait du Fruges partout. Partout, il y avait Fruges. Oh, mais c'est très prankasse, parce qu'en fait, moi, ça m'indiquait un bled et qui était commune d'un autre bled qui était Fruges. En fait, on était bien dedans. Oui. Terrible ce qui m'est arrivé. Oui. Parce que il me semble que quand on enchaîne les 2-5 000 sur même deux rangs de différence, ça compte quand même. Oui, tu l'as eu là. Bon bah, je m'apprête. Eh ben, oui. T'as eu le bonus, Jean. Oui, mais je vois pas où est-ce qu'ils sont les bonus. Combo en haut. Combo. Dans le grand tableau global, combo. Excusez-moi, je suis con. C'était pour être sûr. Ok, très bien. J'ai les mots. Très bien. Je suis prêt pour la prochaine, mais oui, moi, je suis prêt aussi. Pareil. Ah non, c'est pour tout le Oui, c'est tout le challenge. On n'a pas le droit de retourner au point de départ. Tout le challenge. Je sais pas si tu retirais à chaque round ou pas, en fait, c'est pour ça. Ok. Moi, je suis prête. Pareil. Okay. C'est moi qui fais le compte. Oui. Ok, très bien. Eh bien, 5. Merci, Dromoine. 3, 2, 1, c'est parti. Putain, j'ai les grands morts. Oh là là. Waouh. Ok. Oh, mais je suis vraiment nul en France. Mais là, c'est vraiment trop con pour le coup. Ok, il y a tout de suite une info, c'est déjà ça. Peut-être. Ah bah. J'ai pas envie de crever, hein. Vous inquiétez pas. J'ai peut-être retourné dans ce fameux coin où j'étais. Ensuite, c'est large encore. Hein. Heiligenberg. 1-5, on est vraiment prêts. Putain. Oh là là. Non, mais c'est trop large. Oh, le mec savait où était Schirmeck. Schirmeck, il connaît comme sa poche, quoi. 6 mètres. Ah, mais mec, ça serait plutôt au nord? Grâce aux pancartes et aux indices et à l'environnement et tout, et on mixe un peu tout ça et on essaye de dévier sur la carte. On va te tuer, mec. Insupportable. Ce que je viens de faire est insupportable, j'en suis parfaitement conscient. Je cherche des noms en mec et en fait ça m'a plus embrouillé qu'autre chose. Quand tu veux pas appuyer sur le drapeau et que tu te fais téléporter, c'est pas la meilleure sensation. Oh, j'avoue. J'ai aucune idée où on est, c'est horrible. Hein.
Ça doit être dur pour toi. Oui. Moi, ça va. Moi, j'ai réussi le round. Mais toi, c'est 10 mètres. 10 mètres. Oh là là. La France, c'est terrible. Hein. C'est marrant comment je suis plus à l'aise sur des pays complètement paumés qu'en France. Quoi. En plus, je suis parti dans un coin où il n'y avait pas de ville du tout. Là. J'aurais dû aller vers le vieux bled. Ah non. Vous savez quoi, un numéro de téléphone, j'en suis là. J'en suis là tellement je suis en panique. Et bah 03, on s'en doutait. Enfin, mais j'ai trop d'infos. C'est juste, je sais pas quoi en foutre. Je sais pas du tout, c'est horrible. Il y a un Heim, mais il y en a qu'un de Dinsheim là. Dinsheim Mutzig. Schirmeck, c'était le plus gros. Il y a Schiltigheim, mais. Putain, quand on zoom, il se passe plein de trucs. On était dans la forêt ensuite. Egusheim, Colmar, non. Peut-être Colmar. Markolsheim, Orschheim. Je sais pas du tout où je suis. Je tiens à m'excuser auprès de toute ma commune. Je suis en PLS. Fessenheim, Dolsheim. Là, des Heim partout, mais c'est le bec qui m'a foutu le seum. Je suis perdu. Hein. Oh, je suis tellement perdu. Pour moi, bec, je me dis c'est le nord, mais pas du tout. Tu vas penser à Molenbeek. Ouais, j'entends le bébé en plus. Heiligenberg, Jurmat. Schirmeck, ça fait un peu. Je sais pas pourquoi je pense frontière belge, frontière machin, mais. De toute façon, on a le 03. Ouais, mais ça peut être partout. Hein. J'en ai aucune idée. Je erre sans but, en panique. Wissembourg, il y avait un bourg. Je vais me mettre là, plus au nord. Ah, j'en ai aucune idée. Ah putain, j'étais mieux où j'étais. Presque. 38 km. 38 km, je sais pas comment vous avez trouvé. Oh, je me suis replacé, j'étais beaucoup mieux où j'étais. 59 km. J'ai dû partir du bon sens, tout simplement. Ouais, aussi, pareil. Horrible. Je veux que ça s'arrête. Ah, mais vous êtes allé vers le bas et vous êtes tombé oui, sur la tout à fait. Route, là. Exactement. Ouais, ouais, je même pas, je suis allé jusqu'à l'intersection entre la 704 et la 392. Pareil, je suis resté là. Je suis resté là, pareil. Aïe, aïe, aïe. Il y avait la ville qui était jumelée avec le même nom de ville que celle allemande. Et du coup, j'étais passé à la frontière. Une ville attends. Au milieu. Et moi, j'ai vu des trucs en allemand à un moment. Et du coup, je me suis dit, c'est que. Non, mais j'ai vu des trucs en allemand, je me suis dit, mais c'est bon, on est à la frontière. Et en fait, c'est vraiment la ville, elle a le même nom des deux côtés de la frontière. Et voilà, et j'ai cherché que au bord des frontières. T'as vu quoi en allemand? Je sais plus, attends, comment tu veux que je me souvienne? Personne. T'es sûr que c'était pas des noms de bled? Barbares montés à part toi. Non, c'était. Non, mais tu sais, des panneaux, des pubs, des trucs comme ça, tu vois. Hein? Trop chelou. Okay. En tout cas, je suis prêt pour la suite. Oui. Pareil. Pareil. Ok, c'est toujours à moi de faire le dé. Ah bah non, c'est plus à moi. Attends. Si, c'est à moi. Si, c'est à toi. Oui. Florence, t'as tout le challenge, Florence? Pardon, je suis à l'ouest. T'as dit que t'étais prête, Florence, ou pas? J'ai dit, putain, mais ça coupe de ouf, c'est pas possible. Ouais, ça coupe de ouf, en fait. Par une sensibilité trop basse, ouais. Enfin, trop haute. Ouais, je vais l'augmenter, mais oui, j'étais prête. Ok. Ok, eh bien, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Merci, Paul Doc.
J'en ai aucune idée. Ok. Attention, dans 30 secondes, on entend 5000. Il faut jouer, hein, ça va m'apprendre au bout d'un moment. Je n'ai aucune idée d'où on est. Très impressionnant. Peut-être de l'autre côté, il y a pas... De l'autre côté, on m'indique pas ce qu'il y a. Saint-Quentin. En Yvelines, hélas. Ok, j'ai juste à trouver un numéro de téléphone. Oui, c'est ça. Et repérer... Ah, c'est ça le bled ? Oh, le magasin but. Ah, mais on peut pas les contacter, le magasin but. Oh là là. Ok, il y a les dents à 2-5. On va aller par là. Et on s'en fout. Je rêve ou c'était un truc de radar ? C'est ça, hein, ouais. Un radar à Bellecour. Ouais, non, mais ça, on les a. Il y avait un truc, là. Non, mais on est sur la D8, de toute façon. Pas besoin de regarder ça, oui. Kilomètre 23. 0,3 encore. Je veux que ça s'arrête. Ouais, mais quel département, quoi. Le plus grand bled, Bohain en Vermandois. Le Vermandois, c'est évidemment une région sublime. C'est rien. Saint-Quentin, c'était le plus gros, c'était évident. À 9 bornes, en allant par là, au sud, visiblement. Bellecour, j'ai vu. Bellecour, on est ici. Non, Bellicourt. On n'était pas à Bellicourt. Ouais, non, ça c'est trop grand. C'est à Bellecour, Ramicourt, Magny-la-Fosse. Bon, ouais. Lesdins, c'est le truc le plus proche. Lesdins. Ah, ça va être un lieu dit, c'est mort. Ok, Lesdins, c'est là. Ok. Faut pas que je retourne au début. Oh, j'ai failli faire ça. Oh là là. Rémocourt, je l'ai vu quelque part, non? Donc, ok, on a Lesdins là. Lesdins qui était à 2,5 km du côté vers Saint-Quentin. Mais nous, on était plus derrière, je crois. En l'occurrence, faut juste que je trouve Bellecour, ce bled sur la D8, donc. Chemin de Bellecour. Ok, donc on est par là, je pense. 93 mètres. J'aurais dû tryhard plus, probablement. Ne serait-ce que pour essayer d'arriver le 5000, mais vu qu'on n'a pas le point de départ... 16 mètres, mais avec les 5000 points. Ah, le beau gosse. Mais bon, de toute façon, les 575 du début, là, ça nous a un peu condamnés, hein. Et une belle 7ème place sur la France. Notre habituelle 7ème place, j'ai envie de dire. 16 mètres aussi, mais avec les 4999 points. Cool. 1 mètre. Le coup dur. Putain, j'aurais pu combo. Ah oui, l'arnaque. Terrible. J'ai loupé un anniv, désolé. Hein. Les alertes en même temps, c'est un peu chaud. Je crois que j'ai loupé un anniv. Yes. La Chronos, merci pour les deux siècles. Ah ouais, faut vraiment que je mémorise le point de départ. Qu'est-ce que j'ai mis en fait? Je me suis mis là. Ah Chloé, ouais, je me souvenais pas du tout. J'aurais dû... Si je m'étais souvenu qu'il y avait directement une intersection. Voilà, si j'avais mémorisé juste route qui est une départementale qui part. Alors, il y a une case blanche dans le tableau, t'as peut-être fait sauter une formule sans faire exprès, non? Non, c'est bon. C'est rectifié. Ah merde, non, ça a tout cassé. Ah oui, non. Non, ça a tout cassé chez toi. T'as tout pété. Ah, chez tout le monde, en fait, chez le classement. Ah voilà, c'est bon. C'est à cause de mon fameux saut de curseur bizarre. J'arrête de commencer les rounds France avec des scores à 3 chiffres. Bah, pareil. Ah oui, exact. Bravo. Rattrape bien. Combien, Florence? 1 km. Oui. Nice.
Je n'ai jamais vu Bellecourt. Il n'est pas indiqué sur la carte, il faut pas, zoomer. Parce qu'il n'est pas indiqué tout ça. Ouais, il y a la route en fait. Ouais, commune 2. J'avais mal mémorisé, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait une route qui partait au point de départ. Faut vraiment que je visualise mieux le point de départ. C'est pour ça que je me suis pas placé à 5000, mais bon. Terrible. Je suis prêt pour la suite en tout Pareillement. Cas. Pareillement. Pareil. Oui. Alors, dans 2 secondes, c'est bon. De toute façon, c'est moi qui fais le décompte, donc je m'en fous. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Sympa, bon, bravo à la personne qui va faire 5000 sur celui-là. Ouah, mais je sais même pas où aller tellement on voit pas de bled. Attendez, je vais partir là, je pars vers le nord, ok? Oui, j'ai pas de point de départ. J'ai pas de go back to start. Oh, j'ai fait une connerie. I've made a huge mistake. Et tout d'un coup, il y a du monde. Oh non, me fais pas ça. Je veux juste les infos sur ces lieux dits de mort que j'aurais pas. Ok, ça m'a saoulé. Oh, je suis parti du mauvais côté parce que au moins on voyait une maison de l'autre côté. Je vous le jure qu'on voyait une maison de l'autre côté. Partir au nord, pierre des plans cul. D'ailleurs, c'est une bonne info qu'il y avait une maison. Et j'aurais dû me souvenir de ce que faisait la route, c'est pas grave. Un lieu dit. Shera. Enfin, je crois, ou du moins. Ok, il y a un truc là. J'ai passé le panneau d'entrée dans le bled ou quoi? Non, c'est un lieu dit encore. Berge de Brillant. Alors, en vrai, ça se trouve, c'est pas du tout en relation, mais c'est pas grave. Ah. Ok, des maisons, la civilisation. Ok. Ouais, c'est bien ça. Okay. Saint-Christophe de en Brionnais. Si seulement je connaissais la France. Voilà, D20. Ok. C'est juste une route où on passe. On n'aura jamais d'infos, c'est ça? Attendez, il y a peut-être une info sur le... Ici. Le 12 août, fête du pot-au-feu. 03 encore. Nice fête du pot-au-feu. J'suis mûr. C'est moi qui lis mal, c'est pas possible. C'est mûr. Charlieu. Ligny. Embryon, j'imagine. Embryonnais encore. Enfin, je pense que je vais difficilement avoir mieux que ça. Hein. Ou pas. Ok, on va devoir tryhard avec ça. Hein. On va tryhard avec ça. Je l'aurai jamais à cette hauteur-là. Je suis à peu près convaincu, pour être honnête. Ok, les grands bleds, c'est Paray, Le Monial, Charlieu, visiblement. Oh là là, je me sens mal. Je sais pas comment c'est possible, hein. Où là, ok. J'en ai aucune idée. Waouh. Cent quatre mètres presque.
Waouh. Il est incroyable ce type. Ouais, incroyablement chaud. C'est miracle. Là, je... Et pas salé du coup. Charlieu paraît le monial, je ne sais pas. C'est atroce. Vareil, la clayette. La clayette. Oh, ça me dit quelque chose, mais. C'est dommage parce que je chope pas le bonus. Peut-être pas abusé non plus. Châtillon, Château-Villinche. C'est horrible. Hein. 256 km. 242 km. 163 mètres. 240. Ah ouais, d'accord, c'était. 139 km. C'était à la toute fin des 0-3 alors, hein. Ok. Ouais, pour moi ici, c'était même pas 0-3. Ah, c'était à la toute fin des 0-3 et effectivement, j'ai vu aussi 0-4. Ah, bien J'ai vu les deux. Bah, bien joué, non, parce que j'ai pas du tout appliqué cette... Ah, cette mal joué, ça. Très, très mal joué. Ah putain, Parel Monial, on le voyait loin en plus. Situé là. Mais oui, mais en plus, je suis bête, c'est les 0,5 ici. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, c'est ça, c'est que. Oui, voilà. Bah oui, là, voilà. On le voyait de si loin, Parel Monial. Alors, c'est quoi la ville qu'on voyait de si loin, parce que je la vois pas. Attends. Parel Monial au-dessus. Tu dézooms, tu la vois encore. Ah oui, ah, oui, oui, effectivement. Ah! Oui. La clayette, c'est un nom qu'on voit d'un petit peu loin en vrai. C'est... Ouais. D'ailleurs, mon chat m'a repris. Apparemment, il faut dire la clette. Voilà. Ouais. Bon, évidemment, évidemment. Évidemment, la clette. Hein. Bien sûr. La clette. A-Y-E-2-T-E, ça se dit forcément clette. Oui. C'est évidemment. Le... Après, il y a plein de bleds comme ça dans ma région qui se prononcent pas comme ils s'écrivent. Oh, si j'avais pu score là, c'était peut-être le comeback d'une vie. Aïe, aïe, aïe. Vraiment un mouchoir de poche là, entre Bilou, Mister JD, MV et moi sur les points de se rendre. Ouais. C'est vraiment, vraiment. Dans les 1100. Ouais. Ah non, moi j'ai 1000 carrément. Tout court. Merci Trapil pour les deux siècles. Bon bah, dernier round. Hein, Oui, qu'on en finisse. On attend Julien. Oui. C'est bon, je n'ai plus de problème. Très bien. Ok, est-ce que tout le monde est prêt? Oui. 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 Super, super. Oh. Mais écoutez, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Oh là là, vivement qu'on en finisse. Que je fais bien de partir par en là. En solo, faut plus jamais le faire, ce malus. Il y a un village. Oh, ça va. Oui, moi je suis... Il me fait bien chier, mais... On va y arriver ou pas? C'est sympa. Moi, c'est trop le réflexe de pouvoir, enfin d'avoir la possibilité de cliquer qui me perturbe. Oui. Sur le round d'avant, ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné manuellement à l'endroit où j'avais commencé. Pour, je vais me faire norfer. Ok, fuck. Descends quelque chose. Non, c'est bon. Peut-être. Waouh. Je vous avoue que c'est compliqué. Je regarde pas trop autour de moi, c'est magnifique, hein. Oh non, non. Imaginez de l'autre côté, il y avait une ville directe, c'est probablement le cas. What the fuck, bro? On croit plus qu'il y ait un cul-de-sac, là. Je suis... Ouh, oh là là, waouh. Help me. Je me place quelque part. Hein. Juste histoire que ce soit fait si je fais une connerie. 3 minutes 30. 3 minutes 30, on a zéro info. Oh, l'autre côté, c'est... Oh! Waouh! Mais what, en fait? Ok. Oh là là. La creuse, bien sûr. Je sais pas. Putain, c'était chaud. Hein. C'est très jolie maison en ruine avec zéro information toujours. J'entends bébé hurler.
Qu'est-ce qu'elle dit ? Il y a de la civilisation là-bas. Ah, mais je pouvais pas, en fait. Je crois que c'est la première fois que ça va m'arriver, où j'aurai vraiment zéro information. C'est incroyable. Alors peut-être... Et le nom de la ville, il est où ? On n'a pas le droit ? Un truc. Arvieux. Mais non, mais ça n'a pas. Ok, un centre-ville, quelque chose. Putain, je le sentais bien, là, mon... Partir par là, je le sentais bien, maintenant, allez. Genre, on n'a pas le droit de se... Oh, c'est beau. What ? Une info. Le Dourdou. Combien de temps ? 1,43. Oh, putain. Tarn. Oh, putain, je savais que je devais réviser. Ok, vous allez me détester. Ok. L'Afrique, on est en Afrique du coup. Saint-Afrique, Brocès, vallée du Tarn. Vous allez me détester, hein. Non, mais c'est forcément indiqué. Attendez, je pense. Voilà. Attendez, qu'est-ce que je cherche ? Le plus grand bled ? Saint-Afrique. Vous connaissez Saint-Afrique ? Quelle indignité. Non, mais je le sais. Pas besoin de me détester à ce point-là. Je vais trouver Saint-Afrique et tout sera pardonné. Attendez, il n'y avait pas autre chose ? Non, rien. Si. Ok. Ah non, mais je réviserai, je vous promets que tout sera pardonné. Qu'est-ce que je cherche déjà ? 6 km. Oui. 221 mètres. Ok. Ah, ça va, ça. Attends, oh bon 102 km. Saint-Afrique était là. Désolé. Hein. Je suis replacé en bas, mais... 65 km, j'ai honte. Ok. Parce que j'avais tellement d'infos à la fin. Bon, je reste fidèle à mon round France. Oh non ! Oui, merci, Jidet. C'est très, très chaud. Mais je t'en prie ! Merci à toi ! Je t'en prie. Du coup, sur ce round, c'est monté en premier. Bilou, il m'a mis 20 points. À 20 points, merde. Oh non, 19. 19 points, ouais. Bilou, je... pas compte par du coup, ça fait moins de points. Ouais. Monté qui prend la tête du classement général, hein, qui a fini premier sur celui-là. Je suis deuxième, puis Julien qui est troisième, suivi par Bilou quatrième, Florence cinquième, MV sixième et JD dernier sur ce rang. Franchement, ouais. Je suis content de moi sur celui-là. Ah bon. L'égalité sur le classement général entre moi et MV pour l'instant. Incroyable. Va falloir que je sorte un Diverse World du plus bel acabit. De toute façon, je vais... Tu nous dis quand tu reviens, Julien, je tire le dé pour le round suivant. En Europe. Ah, il y a urinage ? Ah oui, d'accord, c'est avant chaque round. Oui. Je crois que c'est là pour toute la suite. Ah, d'accord. Non. Là, t'auras le droit de remettre ton... De refaire le drapeau. Je reviens dans une minute. Si tu retombes sur un ou deux. Non. On varie à chaque fois, en fait. On varie. Celui-là, il retombera plus. Celui-là. D'accord. Donc, si ça tombe sur un ou deux, tu Je relance. Oui, c'est ça. Ok. J'ai compris l'idée. Merci pour les explications. Bah, écoute, fais ton office. Oui. Mais MV, t'es toujours là ? Je crois qu'il est parti. Je crois qu'il est parti pisser. Ah, il est parti pisser. Du coup, ce dé, on n'a pas trop mal de différence entre celui-là, surtout au début.
au début, oui. Ouais, mais la fin, c'était catastrophique. Ouais, la fin, t'as pris un peu cher. Moi, c'était au début, hein. 681 points au début, là. Et quand même deuxième. Bravo. Oui, ensuite, ça s'est bien passé, mais au début, c'était une cata. Je suis... C'est deuxième tour. Avec le premier round que tu t'es tapé. Ouais, c'est pas mal. Effectivement. Moi, je pense qu'il y a... Moi, il faut que je révise la France. Hein. La prochaine fois, je serai chaud parce que c'est la perdition. Hein. Je suis plus à l'aise en Macédoine que... Je tire mon dé, et c'est encore un 1, on recommence. Et ce sera pas de, un 6, pas de malus sur celui-là. Ah, donc le monde, ce sera en 4 pas minutes. Pas de malus. Donc après, on fera un monde... Et sur Diverse World, ce sera du 4 minutes. Quoi ? Oh là là. Ah yes. Tout quel plaisir. Ah, par élimination, c'est forcément ça, d'accord, j'ai compris. Exactement. Voilà. Logique, logique. C'est bien la okay, HL. Sur Diverse World. Ça me plaît, ça me plaît. Donc là, pas de malus pour Europe ? C'est ça, ce sera la map qui se termine par HL. Oui. Alors, je me prépare. Je suis prêt. Attends, je suis prêt. Attends, j'arrive. Comment tu dis que ça se termine par HL, c'est ça ? Oui. Oui. Ouais. Oui. HI majuscule, d'ailleurs. HI majuscule, probablement, ouais. Non, il n'y a pas de malus dans le move parce qu'on n'est pas en équipe. Et du coup, ce serait trop bizarre. Oui. Ce serait juste chiant. Ça serait terrible, oui. Oui, chiant. Ça serait random. Voilà. Exactement. Ça serait déjà chiant. Si en plus on en rajoute. Ça. Mais c'est exactement ça. Du coup, c'est JD qui fait le décompte ou mon. Ouais, c'est JD, ok. Ok. Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui. 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 Oui, j'ai été perturbé, mais c'est bon. Je suis là. Eh bien, 5. Là, il n'y a pas de malus. 3, 2, 1, il n'y a pas de malus, vous avez le droit d'utiliser le drapeau, tout ce que vous voulez, c'est parti. J'ai lancé, hein. J'ai lancé déjà. Oui, oui. Ah. Je l'ai déjà eu, ça. 3, 2, 1, et ensuite tu pars sur autre chose, donc. Ah, j'ai dit, c'est parti. J'ai cliqué direct sur le drapeau, ça m'a trop fait plaisir. Vraiment pour le plaisir, quoi. Le soleil, les astres. Ok. Finlande. Probablement. Attendez, un doute quand même. Enfin, non, un doute. Un gros doute, pas du tout. Enfin, ça me paraît. C'est long, donc ça fait Finlande. Mais les sonorités, je suis pas sûr. Ensuite, des forêts infinies, c'est pas des conneries. C'est de l'eau hein, qu'on a. On a. À notre est. Est-sud. Est-ce que je devais Bagdash ? Non, ok, je trouve. Pas du tout, si. Ok. La région des Grands Lacs, la fameuse. Ça va être un peu short hein, comme info là. Non, non, me fais pas ça, jamais. Est-ce que j'aurais dû partir de l'autre côté ? Normalement, il faut pas. Faut jamais hésiter. Ok. Là, il n'y a plus de doute. Et je vais même pas le noter. Cook. Ouais, je vais noter le début. Si ça fait plus de 15 caractères, quand même. Il me faut une info, c'est pas possible d'avoir zéro info comme ça. Très joli, hein. C'est quand même une très grande étendue d'eau. Pourquoi ça avance si peu ? C'est l'enfer. Enfin, j'aurais dû partir de l'autre côté, mais j'hésite. Je me dis que j'ai tombé sur un truc, éventuellement un jour. En fait, si j'avais eu un moyen de rejoindre le lac, ça aurait été incroyable. Pourquoi t'avances si lentement ? Par pitié, ouais, faut bien cliquer sur la route. Ouais, Mensu, de U, c'est Finlande. Mais ça, j'ai bien compris qu'on était en Finlande, mais... Et puis, les grandes étendues d'eau, c'est pas ça qui va manquer. Peut-être essayer de trouver
un truc qui termine par tier, c'est peut-être relatif à une région. Oh, quoi que non, c'est peut-être un truc pour dire bled. Quand ça se termine entier, c'est un bled. C'est horrible. J'aurais dû partir de l'autre côté, hein. Je vais regretter, je vais m'en mordre les doigts. Mais par pitié, avance. Oh putain, j'aime ça, 14. Allez, c'est notre seule, hein. C'est notre seule info. Va falloir en faire quelque chose. Est-ce que j'aime ça est visible à ce zoom? Jouma, non. Oh, mais c'est tellement grand. Si on se gourre... Non, mais là, c'est trop... C'est pas possible, trop au nord. Le problème, c'est que si on se gourre, on se gourde beaucoup, quoi. Oh là là, c'est horrible ce qui m'arrive. J'aime ça, ça doit être visible à ce zoom-là. On reste en Finlande. Oh, c'est impossible. C'est juste impossible. Je suis au bout. Coup dur. Oui. Neuf secondes. Oh là là, c'est infernal. Eh ben, 219 km ? 12 km. 119, joli. Ah oh, putain, on le voyait là, Yamsa. Putain, j'ai fait 4 minutes de gameplay pour voir Yamsa et je l'ai pas d'accord. trouvé. Donc les villes en question indiquées, oui, les autres villes à part Yamsa ne sont pas du tout indiquées sur la carte en fait. Ah, moi, je suis parti au sud, je crois, et au bout de 4 minutes, c'est la seule info que j'ai eue à part des lieux dits. Ouais, pareil, rien eu. Moi, j'ai jamais trouvé le pays en fait. Je sais pas comment vous avez fait. Moi, j'ai vu des noms à 20 caractères. Les noms. Avec les noms. Tu es où, Florence ? Je me suis placé en Suède. Non, j'étais en train de réfléchir où est-ce que je m'étais placé, loin, parce que j'ai fait 604 km. Ouais, pareil. C'était la Suède. Je suis en Suède aussi. Ouais, non, j'ai vu des noms genre Kukararansafmentier. Je me suis dit, bon, d'accord. Probablement la Finlande. Moi, à la base, je m'étais placé en Suède, mais j'ai un peu regardé la Finlande et là, j'ai vu Yamsa qui était indiqué de très loin pour le. Oh là là. Ah, de si loin que ça, vraiment? Ah ouais, en ouais. effet. Oh, l'aveugle. Ouais, c'est indiqué de loin. Moi, j'aurais dû dézoomer plus. Oh là là. Parce qu'il était indiqué qu'à 15 km, je me suis dit en plus, la Finlande, ça peut être très bien un tout petit bled indiqué à 15 km. Oh. Je vais pas aller tout de suite sur la carte. Quand il restait plus qu'une minute, je me suis dit, bon, allez, au culot. Et en fait, je l'ai vu. Oh, ça aurait été tellement bien. Ouais. Bien joué. Bien joué à tous. Êtes-vous prêts pour la suite? Oui. Oui. 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Okay. Pourquoi pas y aller du coup à Bro? Je peux? Je peux pas, évidemment. Je vais juste le noter parce qu'il sera sur la map, je pense. Ok, maintenant faut avancer. My body is ready. Ok, cool. C'est quoi ce délire? Ok, ah, c'est vraiment un lieu dit, mais du coup c'est cool. Ce qui serait encore plus cool, c'est d'avoir des panneaux. Peut-être là. Ok. Ah d'accord. Cool. Bro, vous pensez que je l'ai, bro? Au moins, c'est peut-être facile à trouver parce que c'est court, mais...
C'est quand même grand le Danemark. C'est très grand. Je pense que je fais une erreur. Elle est où la fin de la... Ok. Où ça se sépare là, quoi. Je vais continuer. C'est une erreur. Ah, mais attendez. Okay. Ah, mais c'est des bleds, ça. Putain, Brenderup. Et un autre bled à 1. Abiog. T'as pas mieux à me proposer, là ? T'as pas genre une vraie ville ? Et on va partir vers... Abiog ? 4 mai. Oh, le track. Fais go. Un drapeau, mais je sais que je suis au Danemark. Je sais même pas si c'était le drapeau du pays. Je me suis téléporté dans une ruelle. Ok. C'est chiant. Oh, ça a l'air grand parce qu'il y a cette histoire d'église là. Ça fait chier, ils ont trouvé les bleds. Hein. Quatre mètres. Brenderup, bro. Derup, non mais y a... Putain, je suis parti du mauvais côté, ils ont dû avoir une info directe vénère, quoi. On peut-être par là. J'ai loupé un panneau. Et il y a un bled là direct, putain. Ah, je vais être dégoûté. Or. Ok, ok, vite. Putain, voilà, mais fait chier, quoi. Middle fa... 37. 317, Middle Fart Bogens. Middle Fart. 37. 317, on est là. Vite, bro. Bro était à 3 bornes. Or, on est passé juste devant, là. Or, c'est là. Ok. Là, je me dirige vers l'est. Donc. Ok. Bro, ça nous emmène vers Bro. C'est où, Bro ? Non, c'est pas là. Peut-être là. 7 km. Ah, c'était juste à côté, Broskov. Yes. 1 km. Fait chier. J'ai vu Broskov à la fin. En fait, si tu partais de l'autre côté, t'avais que des bleds pourris et c'est juste à la fin, je me suis dit j'ai dû louper un truc. Et oui, là, t'avais les deux grandes villes et le nom de la route, quoi. Ok. Il y avait Middelfart. Exactement. Mais j'ai jamais trouvé Bro. Oui, ça y est, j'ai enfin trouvé Bro. Et Bro, c'est un lieu dit, en fait. Ouais, t'as la Broskov qui y mène. Ouais. C'est chier. Je trouvais pas Bro. C'est chaud. Ok, bah je suis prêt pour la suite. Carrément. Tout le monde est prêt, c'est bon. Quasi. Moi aussi. C'est bon. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Vraiment ? Ok.
Mais où ? Oh, c'est infernal. Je crois que c'est Monté qui capte les cyrilliques. Alors, bon, Russie, bien sûr, mais putain, et en plus, faut reconnaître comment j'ai quand même vérifié des villes où je regarde là. C'est le double affichage, hein, bien sûr. Bon, on a vu quand même le truc russe, quoi. On a vu le marteau et l'enclume, quoi. Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils sont facilement lisibles. Je pense qu'on est plus à une frontière. Il y a tellement peu de coins en Russie. Ensuite, il y en a, hein. Imaginez, c'est encore là. Une fois, on a eu un truc là, c'était incroyable. Et la rue, je crois que c'est pas Strigioé. Ok. Je note des trucs approximatifs. Un peu une ambiance frontière, mais je suis pas sûr. Juste que je me souvienne, Moscou, c'est... comment c'est écrit ? Ouais, c'est oui, Mokba. Ok. Ça va être chaud. Faut que je trouve d'autres trucs, faut que je me réveille là. On part vers l'infini et l'au-delà. Je sais pas pourquoi j'ai par là. J'ai des regrets, ok. Peut-être les mêmes infos, non? Au bro poids. Oh, c'est chaud. En fait, c'est que tout est pas proche, quoi. Je suis parti par là. Je vais partir par là maintenant. Ah, oui, bah oui, ok. Le problème, c'est que, ouais, alors, typiquement, si vous êtes un vétéran de GeoGuessr, vous savez quelles villes sont... Obropoa, là, on l'a vu, ça. C'est Nizhny Novgorod, bien sûr. Ok. Donc ça, c'est un... Il y a ce coin-là, mais le problème, c'est qu'il y a ça au-dessus. Donc j'ai un doute énorme qui s'installe. Septagin, c'est au bon. Oh, c'est horrible. C'est tellement horrible. La Russie, au secours. Oh, il y a un... Ah oui, d'accord. Tellement méchant. Le C, ça correspond à un S. Donc, je cherche des trucs qui commencent par S. Ça, c'est pas ça. Saratov, non. Tamara, non. Saint-Pétersbourg, c'est écrit comme ça, non. My body is ready. Je suis en PLS. Quoi, 23 secondes? Oh là là, sauvez-moi. Il y avait d'autres trucs, mais oh. 12 secondes, j'ai rien. Non. Je sais pas où je suis. 28 km. 78. 28 km ? Ouais, 28 km, ouais. Ah, bravo, hein. Bravo. Quoi, moi, 643 km. Ah, ils étaient où les bleds alors que je cherchais ? Oh. Florence, ça fait combien ? 123 km, je ne pensais pas qu'en Europe, le Russie était situé aussi loin. C'est
C'est jusqu'à l'Oural à peu près. C'était ça, j'ai mis un... Pardon. J'ai pas eu le nom de ville. J'ai mis un T pour représenter l'espèce de... C'est Sergatch que j'ai trouvé. Le truc de Sepra là. Ah ouais, il faut vraiment zoomer quoi pour le voir. Cette merde. Sergatch. T'es où là? Putain, ouais, j'ai mal noté. Enfin, j'avais simplifié, trop simplifié. Et Sergatch, ouais, j'y ai pas cru alors que je le voyais clairement quoi. Bien joué. Mais effectivement, j'ai hésité à mettre vers Kazan parce que j'ai vu un truc Kazas et je me suis dit, est-ce que c'est pas une forme d'une déclinaison random Je crois pas. Putain, mais on s'est mis bien en fait, j'avais pas fait gaffe. Bon. 4000 à tous les rounds, on est deuxième. Ok, je suis derrière le Lord. Toujours pas de combo, hein. Oui. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti. Je me mute. Oh là là, pitié. Ok, on est en France. Donc c'est pas une bonne nouvelle pour moi. C'est quoi là? C'est la route communale quoi? Le grand clos. Enfin, c'est une bonne nouvelle parce qu'on est en Europe monde, donc ça coûte moins cher de se gourer, mais quand même. Bon, eux, la France, ils vont déchirer. Hein. Faut que j'arrive à faire 4000, hein. Faut que je trouve un miracle. On va partir une minute max par là. Si je trouve rien, faut que je vois des habitations là-bas. Mais c'est vraiment une nanoroute. Dans quel plan cul je m'embarque encore? Ouais, il y a quand même des habitations. On va recouper l'autre route, c'est sûr. Moi, I've made a huge mistake. Mais putain, je suis con. Sauvigna. Mais je sais pas, putain, je devrais savoir. Sauvigna. Je devrais savoir. Je devrais déjà me placer à un endroit cool. Il n'y a que des routes communales. Hein. Wouah, ce plan cul. La noix et Cornex. Mais par pitié. C'est horrible. Je me trouve dans un cul-de-sac à tous les coups. Oh, j'aurais dû rester dans le coin où j'étais au moins, il se passait quelque chose. Je crois que là j'arrive vraiment dans un cul-de-sac. Attendez. Non mais le cours d'eau, ça va rien me dire. Faut que attends, on a une route, on a une vraie route. Deux minutes, j'ai aucune info. Cette route-là, elle peut me sauver, mais... Le camion peut-être, j'en suis là, probablement. La Drangeas Vial. Oh là 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 là. Meusac. La D54. Putain, j'y peux. Non, j'en peux plus. Pourquoi je note ça? Ça va jamais m'aider, j'ai une minute. Ok. L'enfer. Saint-Yriex, putain, ça me dit quelque chose, mais je saurais jamais le placer. Je
Oh, je suis perdu. Je me sens pas bien. Luberon vers... Non. Je sais pas où je suis, c'est... Je m'excuse, hein. Je m'excuse auprès de tous les experts. C'est horrible. J'ai aucune idée où on est. À 17 km. 17 km. 121. Ça... Attends, 17, t'avais quoi comme info ? Aïe, aïe. 319. Oh. J'ai pas eu un nom de village. J'ai rien eu. Putain, j'ai eu que des routes communales de merde avec des lieux dits de merde pendant 5 minutes. Ah, la France, quoi, c'est horrible, hein. Des propos polémiques. J'étais bien premier, là. Angoisse. Et ça résume assez bien ce round, je trouve. Ouais, 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 t'es pas loin d'angoisse. C'était si bien cette première place. T'as dit quoi, Florence ? J'ai mon point à 0, une seconde de la fin, j'avais oublié, je l'avais placé. Ah merde ! Du coup, tu fais combien ? C'est bon, j'ai fait 211 km, donc pas terrible. Mais est-ce que t'avais des indices qui auraient pu te permettre de placer ton point plus proche que ça ? Y a rien, y a que des lieux dits, peut-être la Légolène du Village, mais vers Bergerac, un truc comme ça. Donc j'aurais pu faire mieux, mais mieux que 0. Bah, j'ai eu des infos à la fin, mais... Le truc sur perche, là, je sais plus quoi, la perche. Pierre Bergerac aussi, moi, vraiment. Bien fait voir, d'ailleurs. Oh, moi, je me suis juste mis un peu vite fait dans la région du croissant, quoi, c'est tout. Ok. Vous êtes tous prêts ? Dur. Ouais. Oui. 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti. Non, c'était sud-ouest. Ouais, j'aurais dû me... Le dernier round d'Europe. J'ai oublié que c'était Europe. Pareil. On est trop pareil, quoi. Ah, j'ai un énorme doute. Ah, il y a les trémas. La Suède. Non. Rifaste Fisco Corso. Ah, ça serait pas... Non, ça s'appelle Estonie. Non. Il y a des accents partout. C'est encore le haron, là. Ok. Je suis pas sûr que j'aurai plus d'infos que ça. Ça m'angoisse. Viettoren. La région des Grands Lacs. C'est sublime. Ah, mais cette route là, rouge. Oh, j'ai mon vouloir. Ok, ça c'est des vraies infos. Upehala, ouais, c'est suédois ça. Les panneaux jaunes aussi. Ouais, c'est sûr. Oh, mais où quoi ? Tellement grand. Wow. Okay. Nord-sud. Cinq mètres.
mètres. Oh merde! Aïe aïe aïe. Torchala. Je vois qu'il y a ce truc là, nord-sud avec la. Non, il me faut plus d'infos. Je suis partout déjà. Merci Néodam. Oh merde, j'arrive. Il y avait des panneaux. Oh, mais dès le début, il y avait ça. Je suis vraiment l'un des connards. Brandoby aussi. Parti vers où quand je suis parti? Parti vers les panneaux, hein. Quoi que ça. Ouais, mais tout se ressemble. Non, je suis pas parti là. Enfin, c'est sublime. My body is ready. Non, open à la, mais putain. 16 mètres. C'est trop proche tout ça. Ah mais attendez. Attends, je regarde vers quoi là? Mais c'est une grande baie, il y a un truc. Ah, je regarde vers l'est. Faut une inspi là. Reste combien de temps? 25 secondes. C'est trop proche de Stockholm. Hein. J'ai envie de me mettre au milieu, plus au milieu du pays. 6 mètres. Oh GG. 291 km. Oh là là, 350. Mais bébé! Bébé! 248 km. Xavier? Oui, désolé, il y a bébé. 354 km. Putain, je m'écroulais à la fin alors que j'étais premier! Ah, c'est dommage. Oh la catastrophe! Quatrième. J'aurais aimé que vous vous fassiez prank, mais vous n'êtes pas. Vous êtes pas. Eh non. Ah, j'ai failli me faire prank à fond. Ah, j'étais bien en Suède. Oh là là, ouais, d'accord. Je suis parti sur le Portugal jusqu'à 4 minutes 50. Vraiment. Non, parce que du coup, les îles d'Hollande sont bien finnoises, mais elles sont autonomes et de langue suédoise. Ah. Tout à fait. Oui, moi, j'ai trouvé que c'était cet endroit-là parce que je tombais sur un panneau qui représentait visuellement cet archipel, en fait. Ah, ouais. Mais d'accord. Moi aussi, mais alors pour trouver l'archipel entre la Norvège, l'Islande et tout ce que tu veux, merci. Là, en le regardant, du coup, j'ai trop l'impression que le panneau, il était pas exactement comme ça. Oui, moi aussi. J'ai pas vu de panneau, ouais. J'ai vraiment vu en série dans mon vie. Et je me suis dit, on va aller voir par là parce qu'il y a bah, du coup plein de ferries pour passer d'une île à l'autre. Donc voilà, et c'était bien ça. On a un point de différence avec Monté, là, sur le classement général, pour le coup. Oui. Yes. Ça sera le monde de speedrun qui va tout déterminer. Oui, ça va être en 4 minutes. Ouais, vous prenez bien ça. Celui en 4 minutes. Le monde en 4 minutes. J'ai bébé dans les pattes, ça va être bien. Ok. Vous avez bien tous l'URL qui se termine par RY. On est... Ouais, RY, tout à fait. Attendez, vous pouvez attendre 2 secondes, s'il vous plaît. Désolé. Vas-y, non, pas de soucis, vas-y. Eh ben vous savez quoi, en fait, je marque une très courte pause pipi, je suis navré, mais voilà, j'en profite. Je reviens dans moins de 2 minutes. Je vais faire pareil alors, j'arrive. Régal. Ah là, le 4 minutes en world, ça va être... Ça va faire un peu mal, celui-là. Franchement, en Russie, t'as 4 minutes. Ouais. Ok. Complet. Oh là là, quelle désillusion. Ils sont partis pisser. D'accord. Quelle désillusion! J'étais premier! Voilà, ça va être du Diverse World, mais en 4 minutes. Pour le coup. Ouais. Donc t'as bien pris l'URL qui se termine par RY, on est d'accord. Hein. Tout à fait. Ok, que personne se trompe, hein. Ce serait dommage. On me dit... Ah non, oui, en Russie, oui. En Russie, 4 ou 5 minutes, ça revient au même. Ça dépend.
En vrai, si j'avais fait 4 minutes l'autre fois, j'aurais pas fait Elon Born en Russie là tout à l'heure. 100%. C'est un peu traite 4 minutes, mine de rien. J'ai l'impression que je. Salut Spirit 52, non, je ferai pas Ubisoft. Mais... Merci Ruko, Kind Heart, Melway. Le pire, c'est quand les nouveaux submersi chat. 3 minutes chat. 25. Pour le raid, désolé, il y a 17 minutes. Complètement dodge. Non, non, j'étais dans la bulle. Non, non, oui, il restera 25 secondes. Re. Oui. JD, t'es revenu aussi ? Non. Eh bien, je pisse plus vite que lui. Voilà, encore un domaine où je suis meilleur, évidemment. C'est juste que savoir, lui, lave les mains, en fait, tout simplement. Château, en fait. Il faut qu'il... Moi, je me suis pas essuyé les mains, c'est comme ça que je gagne du temps. Ah oui, c'est ça. Essuyer les mains. Ah, mais quel pisseur, Mister JD, là, c'est incroyable. J'avoue. Après, je crois que ses chiottes sont pas dans son appartement. Il donne tout. Non, non, non. Les chiottes non, sur le palier. Bah, c'est un chalet dans la montagne, hein, donc il est obligé. Enfin, il... Faut qu'il pisse un peu en contrebas, sinon ça... Il va deux rues plus loin dans des chiottes de chantier. Sur le Mont Blanc. Exactement. Dites donc là. Et re le pisseur. Ah, re. Pisseur, ouais. Re. Re. Ouais. Re, ouais. Okay. Hein, Mister Uré. Bon, on est tous prêts. Ouais, on est tous oui. Prêts, ouais. Prêts pour la map. Sur... Termine par RY. Ouais. Map RY. Oui. Ouais, ça. Ouais. Mister Uré. C'est Mister MV qui va nous faire le décompte. Incroyable. Ouais. Tout le monde est prêt donc. Et oui. Oui. 5, 4, 3, 2, 1, go. Islande. Et je l'ai déjà eu, je crois. Je crois qu'ensuite, non. Mais c'est l'Islande, c'est sûr, ça. Ok. Je crois que ces panneaux me disent rien. Mais c'était... Non, c'est typiquement islandais, quoi. Et genre, il y a une route... Ah, il y a le drapeau, surtout. Ok. Alors... Ça devrait être rapide pour tout le monde, je pense. Attendez, c'est bien le drapeau. Attendez. L'Islande. Oui, c'est comme ça l'Islande. J'ai un doute. Non, c'est Norvège. C'est Norvège. D'ailleurs, comment... il est comment le drapeau de l'Islande déjà ? C'est le drapeau de la Norvège, mais ouais, ok. Non. Il est comment l'Islande ? Oh, c'est marrant, j'ai un trou sur le drapeau de l'Islande alors que c'était quelque chose que... Bon, bref. Est, la mer. Ça veut dire qu'on est par là. Est-ce que je me cours totalement? C'est marrant d'avoir ce doute horrible. Sleipnes. Mais Amn. Ah, j'ai un gros doute là. Je vais me jeter un coup d'œil. Non, ouais. De toute façon, c'était pas les panneaux et les noms sont typiques. Les îles Faro. Et là, là, c'est un hold-up. Bon, allez, go. Je suis paumé là. Touriste info. Non mais c'était bien la Norvège, j'ai pas halluciné. Welcome. Attendez, qu'est-ce que ça peut... Oh, la Norvège, c'est rouge au fond. Putain, mais comment tu fais? Mais ça ressemble tellement à l'Islande, c'est pas possible. Yeah. Et les noms ne correspondent pas. Oh là là, je suis en train de partir dans un délire. Que je souhaite à personne. Ah, j'ai ce doute immonde. Enfin, la Norvège s'est inversée, c'est sûr. C'est Death Stranding. Ok.
Oh, c'est horrible ce qui m'arrive. Je suis pas là du tout. Ça va être cruel, hein. Le monde est cruel. Pas du tout, ça. Ok, salut. Ah, oh merde. Ouais. Yep. Oui, du coup, vous avez fait parcours. Je pense que c'est Game Breaker de ouf. Vu la taille du pays. Je suis dans le bon pays. J'étais en Islande. Je suis dans le bon pays aussi. Je suis dans le bon pays, voilà. Plutôt en face du Danemark, vous voyez. Oui, pareil. Ah, c'est moi le pire. Attends, mais j'ai vu un drapeau qui m'a embrouillé déjà, mes drapeaux, bravo. Ce n'était pas le drapeau suédois, ça c'est sûr. Ah oui, norvégien, donc c'était bien la Norvège, j'avais raison. Oui, c'était bien la Norvège. Et en fait, ensuite, vu que je trouvais rien et que... Putain, mais ouais, la mer à l'est, j'aurais dû regarder là, quoi. Bah, mais j'avais oublié que ça allait si haut. J'ai oublié que ça allait si haut. Comment on a fait, tu demandes, Florence? Ouais. Bah ouais. En fait, du coup, j'ai su qu'on était en Norvège. Au bout d'un moment, dans la ville, t'as un panneau de pub pour un festival qui se passe à Gamvik. Du coup, je supposais que c'était le nom de la ville. Et en fait, j'ai cherché le long des côtes de la Norvège un peu au nord parce que ça avait l'air d'être vachement au nord là où on était. Et au bout d'un moment, je suis tombé dessus, quoi. Ah oui, d'accord. Un peu naïf, mais je pensais même pas qu'il y avait des gens qui habitaient, enfin, qu'il y avait des villes aussi au nord de la Norvège, en fait. Je pensais que c'était à l'extrême nord. Allez, dans le top 5. Non, j'étais persuadé que c'était l'Islande. Top 5. Je croyais qu'il y avait une vibe ici. Mais il y avait un fond rouge. Moi j'ai vu fond bleu. J'ai pensé Svalbard, moi, au début. En vrai. Oh, je suis le roi que les connards. Moi, j'ai dans ce genre de pays où il y a... sur les îles Féroé au début. Dans ce genre de pays où il y a des trous avec de l'eau partout, ça sert à rien de se dire la mer, elle est à l'est, à l'ouest, au sud, n'importe quoi, parce qu'elle peut être partout. En fait, moi, ça m'aide pas du tout à chaque fois, ce genre et de... Oui. J'ai vu le drapeau et j'étais convaincu d'avoir vu un fond bleu et la croix rouge. Pas du tout, c'était l'inverse, ok. C'était le contraire. Moi, dans mon chat, on m'a dit « Espérons que Monté se mette au sud », et j'ai fait « Non, quand même pas ». Bah si, ah, quand même, parce qu'il n'y a aucune info pour dire que c'est le nord, quoi. Oh merde, ça sert à ça. Le paysage... Ouais, mais enfin, le chat, c'est terrible. Ouais, je sais pas. Terrible. Après, il y a des trucs qui ressemblent quand même un peu à ça, sur la côte, même dans le sud, sud-ouest de la Norvège, il y a des trucs qui ressemblent un peu à ça. Dans tous les fjords, dans tous les sens. Complètement. Et puis même la langue n'aidait pas pour le coup, parce que le nord parle du nord, parce que normalement... parle pas exactement le norvégien, et même là, j'ai pas... Du coup, tu vas leur dire qu'ils ont faux. Non, mais j'avais pas assez d'infos. Il y avait pas assez d'inscriptions et de textes, en fait. Merci Oslo pour le siècle. Votre dialecte, là... Cette circonstance. C'est pas bon pour votre... Merci beaucoup pour le prime. Eruko. On va essayer de... Oui. Allez, je suis prêt pour la suite. Tout le monde est prêt? Oui. Allez. Oui. 3, 2, 1... Et mardi. Ok. US, probablement. Ah, peut-être pas Australie. Ces histoires de lane, ça me rappelle plutôt l'Australie, mais... Non, c'est bon. La 210. West 210. Faut trouver l'état maintenant. Ça peut être des routes très longues. Non, il faut. On peut avoir des infos partout. Ah, il y a des drapeaux aussi. Ça, c'est une vraie info. Practice clinique. Iowa, c'est où déjà l'Iowa? C'est là. Ouais, tout le monde va être bien là-dessus. C'est West Rapids que je vois? Ah non. On est dans l'Iowa, donc. Est-ce que je cherche la 210? C'est peut-être audacieux. L'Iowa, c'est grand. Est-ce qu'elle serait... C'est une ouest. Ouest en est. Ça a l'air pas mal dispatché, pas mal foutu. C'est peut-être... non mais, oh, putain, faut que je regarde bien les frontières, pas basculer dans le Minnesota comme un con. 210. C'est un plan cul ce que je fais là.
Je vais prendre d'autres infos quand même. Au secours. Ok. Où je fais un demi-tour en vrai. C'est pas mal ça. Oh non, est-ce que c'est si bien de sortir de la ville? On a zéro info. La Iowa, ça va être un peu short, je vous avoue, pour scorer. Une 32, je vais peut-être devoir te chercher ma 210, mais je sais même pas où je suis dans la 210. Oh, j'aurais dû continuer à... Là, je vais vers le No Man's Land. Clairement. Je suis un connard. J'aurais dû continuer tout droit et je l'avais. On va le faire. Bon, je dépasse ça, tout droit. Ah, mais il me téléporte encore. Ok, je sors. Faut que je reste en vrai. Ok. Madrid Home, super. Mais je suis revenu là en fait. Je déteste cet endroit, sachez-le. Ok, putain, enfin. Woodward, 7. C'est quoi le A5 et c'est quoi le truc A7? Aucune idée. Woodward, 210. Tout ce qu'on a. Dans l'Illinois, voilà, ok. Il y a trop de trucs, il y a trop d'infos. J'ai toujours peur de sortir de l'Iowa, c'est quel cas. Je vais me mettre en plein milieu vu que j'ai que des doutes. 30, putain, d'accord, ok, bon bah. J'aurais... Oh, j'étais plus près. Ok. Combien t'as 986 km. 40 km. 308 km. J'étais à moins de 10 km et j'ai bougé mon point comme un connard. 404 km pour moi, je pensais pas que ça allait si haut. Mais attends, la 35 se sépare en deux en fait. La Interstate 35, elle se sépare en deux, mais sur hyper. Un gros. C'est terrible. Moi j'ai jamais eu l'info de l'Interstate 35 comme un con. Moi non plus, ouais. J'ai eu la Des Moines River, mais en fait quand j'ai regardé autour de Des Moines, j'ai pas trouvé du tout de rivière qui s'appelait comme ça. Je me suis dit, allez, je me fais prank. Enfin, j'ai eu de la chance. Du coup, je me suis remis plus loin. Ah, mais Florence, t'as plutôt bien réussi là pour le coup sur celui-là. Oui, j'avais le nom de la ville et j'ai vu un panneau qui disait Iowa. Enfin, qui dit. Non. Ouais, moi aussi. Ah oui. Dès le début, Iowa, j'ai vu. J'ai pas vu Iowa. Dès le début, la clinique, si tu zoomais, ouais. Oh là là. C'était pas si cool. Et j'ai fait le pire score sur ce run, bravo à tous. Oh là 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 là. Yes. Tout le monde est prêt? Ok. Je suis. Yep. Oui. Yep. Encore. Ah oui. Très bien. 3, 2, 1, go. Laissez-moi tranquille. Ok. What? Évidemment, avec le stress, j'ai un énorme doute. Ah, ok, ça c'est intéressant.
Ah non, ok. Pourquoi on me laisse pas retourner sur cette putain de route principale? Ça me rend dingue. Pourquoi je suis à l'arrêt au stand là? On est à Caguas donc. Je suis à l'arrêt au stand. J'avoue que ça m'emmerde là. Ok. Les panneaux les gars. Attends, c'est quoi ça? Je sais pas. Que moi je partais sur Mexique, tout ça, mais. C'est pas. C'est américain, mais. Chili, c'est pas ça. Ok, Ok. Est-ce que je peux avoir des vraies infos? Oh là là. Avance, par pitié. Oh là là, c'est pénible. Le McDo, le gros McDo. Tu le sens, mon gros McDo. Ça sent la frontière parce qu'on a... Oh, je suis tellement en train de me... Genre là-bas. Pourquoi il y avait ce truc de Jeux Olympiques? La une, là il y a la une. Nord T1, Ouest 33. Putain, est-ce que je suis vraiment en train de piffer ça? Non, c'est une connerie. Oh là là. Mes excuses à toutes les familles. Non, non, c'est pas ça. Enfin des infos. Ok. Je peux passer de l'autre côté. J'ai envie de mourir. Ok. Il va faire très mal. Très... Oh! Putain, c'était là. Ah non, c'est bon. J'y ai pensé, j'y ai fait avoir. Putain, mais j'ai vu le drapeau, j'ai vu San Juan à la fin et j'ai pas. Aïe. Moi, j'ai jamais eu d'infos là-dessus en fait. J'ai jamais eu d'URL, jamais eu de truc. Je désespérais d'avoir une URL ou un nom. Oh, j'ai eu le drapeau, je l'ai pas reconnu quoi. San Juan. Aïe. Quelqu'un l'a eu? Ah oui, Julien. Bravo. Oh, Julien. Sixième sur ce round pour l'instant, on est bien. Aïe. Oh, putain. Bon, heureusement que vous êtes pour la plupart tous pas mal plantés. À part Julien, putain, bien joué. Et du coup, il y a eu les Jeux Olympiques là-bas. Ouais, voilà, je me demandais, quoi. Il y avait le drapeau olympique, ouais. Oups. Ok. Je l'ai déduit, hein. Tout le monde est prêt. Les panneaux étaient vraiment très similaires à ceux des États-Unis. Non, mais carrément. Genre. Mais ouais, mais t'avais le truc surtout, ouais, le drapeau États-Unis et celui d'à côté, quoi. Celui du Puerto Rico. Bref. Ready? Oui. Oui. Ok, oui. Oui. Ok. 3, 2, 1, go. Alors. Ah, la région des Grands Lacs. Je n'en peux plus. Qu'est-ce que c'est laid. J'en ai marre de tomber sur des endroits vraiment immondes. C'est vraiment dégueulasse. Hein. En fait, c'est une petite blague parce que c'est assez joli. C'est vraiment magnifique. Ouais. Ok. C'est vrai que c'est sublime. C'est vrai. Anlex Trafic, je dirais Suède. Ah, c'est quoi ça? Attendez, il y a un prank là ou... Ok. C'est bon. Je l'ai. On est où? Pourquoi je suis au Canada? Ok. Et donc... Au sud, les montagnes magnifiques et de l'eau.
aucune idée, les amis. Aucune idée. Alors. Est-ce que je me dirige vraiment vers quelque chose, vers de la vie? La route est de bonne facture. Toujours ça de prix. J'ai l'impression que je me dirige vers la mort, surtout. C'est énorme. Superbe. C'est No Man's Land, là. Un panneau de vitesse. En même temps, est-ce qu'il y aura vraiment autre chose de l'autre côté? J'aurais sûrement dû quand même rebrousser chemin. Waouh. C'est vraiment en train de faire une full ouest-est. Oh, c'est difficile à déterminer, là. Oh, je cherche un panneau, c'est une erreur, je vois rien. Rétrécissement dans 4 bornes. Ah non. 4 mètres vive. Allez. Non, mais j'ai rien. J'ai juste rien, en fait. Là-bas, on voit des maisons. Ouais, putain, j'aurais dû regarder ça direct. Il y a des maisons là-bas au loin. Ouais, c'est vrai qu'on est en 4 minutes. Oh là là, direct, quoi. Tromso, ok. J'ai 863. Tromso. Oh, mais pourquoi c'est pas en énorme? Voilà, merci. 52 mètres. Eh ben, dis donc. Moi, j'ai rien du tout. Par le paysage, qui est très beau. Hein. Qui manque un peu de panneaux. Donc 809 mètres. Oh bravo. Oh là, bah moi j'ai rien, j'ai vraiment rien. J'ai pas non plus hein, pour le coup. On part sur de la déduction pure. Ouais, j'irai pas plus loin. 325 mètres. 1711 km. Oh 1246 km. Je pensais pas du tout qu'on était si haut. Ah, c'est incroyable parce que. 7 km. Ah, on peut dire pour moi. Mais en gros, tu pars. Ouais. 54 km. 54 km. En fait, je suis revenu. Putain, Dieu merci, je suis revenu au bout d'un moment parce que juste derrière, t'avais le panneau avec toutes les infos, quoi. De l'autre côté, c'était le No Man's Land. Ouais, t'avais Tromso qui était indiqué. Et en fait, ouais, je me suis dit. Tout à fait. Voilà, et vu que t'avais l'eau au sud, là, et cette petite route mignonne 823 qui menait vers le ferry s'est montrée. Alors, j'ai une question. Tout à l'heure, le point qu'on avait en Norvège, tout au nord, indiquait muséum, mais je n'ai jamais su si c'était indication d'un musée ou le nom d'une ville. Et là, c'était le nom d'un musée. Muséum, donc je suis retournée exactement au même endroit que tout à l'heure. Je l'ai cherché pendant hyper longtemps, mais on ne sait jamais. Ah, c'était le musée de Gamvik, tout à l'heure. D'accord, ok. Donc, ça aurait pu aussi être une ville, donc c'est pour ça que je préfère demander. Ok. Ok. Je suis prêt pour le dernier round. Yes. Yes, moi aussi. Moi aussi. Eh bien, superbe, bonne chance. 3, 2, 1, go. Je suis pas prêt, hein. Ah, ah trop tard, j'ai dommage. Lancé. Bah, vous m'attendrez, hein, je suis pas prêt du tout. On t'attendra. On t'attendra, on t'attendra, pas, Julien. On t'attendra, on t'attendra. On fera gaffe à nous. On t'attendra, Julien, t'inquiète pas. Bien sûr, on ne dira rien tant que tu n'auras pas fini. Un fan de l'Inter, mais ça ne m'indique pas forcément grand-chose. Aïe aïe aïe. Waouh. Pancho's Pizzeria. Oh là là.
151 et 56. C'est notre angle. Ok. Buenos Aires. On t'entend. Ah MV, on t'entend. Oui. Je m'excuse auprès de toute la commune. J'ai rien entendu parce que je parlais en même temps. T'as dit quoi? Non, j'ai quand même. J'ai pas compris ce que t'as dit, mais on t'entendrait. Ah ouais, non, mais j'ai vraiment pas fait gaffe. Petit spoil. Ensuite, reste à voir. J'ai truqué la partie. Maître heureux. C'est comme ça, elle sera à refaire. Eh, parce que c'est moi qui lance, donc il faut que je me mute derrière. C'est toute une logistique. Je suis pas en push to talk, je suis en mute. En push to activate. Attendez, ensuite. Je pense pas. Ça me semble bizarre. Je pense que c'est le nom du truc. Quoique, ouais, ça a l'air d'être une grande ville. J'ai aucune idée de quoi ressemble la banlieue de Buenos Aires, pour être très honnête. C'était le moment de dire Kuala Lumpur. J'avoue. J'aurais pu scénariser ça, faire exprès. Attendez, je vais leur faire un prank. Ville juif ? Attention, MV, attention, on t'entend. Ah, pardon, excusez-moi, pardon. Fais attention. Putain, en tout cas, je ne sais, ouais. Waouh. C'est probablement ça, parce qu'on a eu qu'une info. En vrai, je vais... Ah, mais comment vous voulez que je trouve le nom des rues là-dedans, quoi? Puis il y a 12 000 quartiers, non mais c'est un délire. Waouh. Ok, ok. Hudson. L'eau de construction. C'est la boîte ou... Il y a peut-être le nom du quartier dans le coin, vous voyez? Pour avoir un nom récurrent, mais... Qu'est-ce qu'il nous indique, lui? Il s'en va. Hudson, on le revoit ici. Et c'est sur des trucs de construction, donc... je vais quand même vérifier, mais j'y crois pas du tout, hein. C'est le truc de construction. Je vous rappelle que je suis en retard par rapport à vous. Bien sûr. Ouais, ça va être le coup dur pour moi. C'est chaud. Oh là là, c'est imbitable. J'ai envie de mourir, je sais pas où. Vraiment. Ah ouais. Ouais, je fais des tours en plus. Oh là là. Je pense pas qu'on est à Buenos Aires, je vais être très honnête avec vous. Ensuite, le fait qu'on ait vu Buenos Aires nous a peut-être mis dans l'Argentine, donc c'est déjà toujours ça de prix. Et ça se trouve... 24 km. Oh le bâtard, j'aurais jamais aussi proche. Mes excuses à Komi. Ah oui, ne dites rien. 60 km, ne dites rien. 34 km. J'ai hésité à aller cliquer en banlieue de Buenos Aires et je l'ai pas vu. Et c'était ça. Bravo. Putain, JD, tu t'es mis où? Tu fais avoir par une mauvaise info. T'as fait 13 points, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, t'es allé à Villejuif, hein. Ouais, à Villejuif. Oui, 19 mai 62. Et en fait, c'était pas là. Je sais pas pourquoi, j'avais cru voir un panneau ou quoi. Et non. Mais tu t'es placé où pour de vrai, JD? Rue du 19 mai 62, à Villejuif. Ah, mais t'as choqué exprès, JD. Non, je me suis dit, il y a moyen, quoi. Du coup, j'ai fait 11 051 km. Oh, c'est pas vrai. J'ai eu le panneau 5 secondes avant la fin. La mort, quoi. Moi, je me suis vraiment dit, à tous les coups, ça va être en banlieue de Buenos Aires. J'ai zoomé. Je pense qu'il me manquait soit une valeur de zoom, soit mon regard s'est pas posé dessus. J'ai fait, je le vois pas. Tant pis, on va cliquer vers là et c'est évident. Ah, il y avait bien Hudson, je l'ai vu plusieurs fois et je me demandais... Moi aussi, c'est perturbant comme nom en Argentine. Ouais, pareil. Je cherchais moi les gros quartiers, quoi. Allemand, les stars là-bas, quoi. Oui, montez. Très bien. Ah bah.
Aïe, aïe, bah JD, bah, non, tu fais 5ème. En vrai, je ne pouvais pas le rattraper. De toute façon, regardez le classement, ça ne changeait rien. Si je faisais 5000 ou 13, il n'y avait pas de différence pour ce. C'est vrai, effectivement, ouais. T'aurais rattrapé personne. C'est pour ça que je me suis permis, voilà. Ah. La boutade. Pour la blague. Non, ça, c'est pour ce dévouement pour la blague. Quoi. On a égalité, JD. En classement général. Tout à fait. C'est vrai. Bravo. Ah oui, vous avez exactement les mêmes nombres de points, tout à fait. Du coup, le classement général, ça fait je gagne, du coup. Premier, ensuite Monté, deuxième, troisième, Julien. Quatrième, MV, très bien. Cinquième, Execo, Bilou et JD et Florence en dernier pour pardon. Le coup. Parce que t'as eu quelques coups durs quand même. Ah, incroyable. Bah quoi, mais c'est pas vrai. C'est un commentaire que pour moi, c'est pas sympa. Bah, ok. Ok. Je retiendrai les Émirats Arabes Unis, c'est tout ce que j'ai envie de retenir. Ah okay. Non, putain, les Émirats, c'était horrible tout à l'heure. Par contre, je viens de zoomer sur Buenos Aires. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà tombé dans Buenos Aires sur Jogasser, mais ça m'a l'air d'être vite fait l'enfer quand même. Ah oui, c'est très gros. C'est ça a l'air d'être bidonville sur des. C'est des quadrillages pas possibles, c'est terrible. C'est fini. Bah, je vais y aller. Ouais. Attends, j'arrive. J'arrive, bébé. J'arrive. Ok. Ça a l'air terrible. Je dis au revoir. Oui, ça a l'air terrible. Mais écoutez. Dans Buenos Aires, ouais. Bravo à tous, en tout cas. Bravo. Non, il y a rien. Il y a bébé et je vais y aller. Mais c'était très sympa. Okay. Bravo. Très sympa. Très sympa. Merci à tous. Oui. Merci. Bravo. Yes. Bonne fois. Moi, je continue. Ok. Comment ça chute. Zut, j'ai mis la mauvaise scène. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai tombé. Ok, mais pourquoi tu manges des gâteaux à 20h58? Pourquoi tu dors pas? Merci à toutes et tous. Je dois y aller, je suis désolé, merci encore. Hams2666 pour le Prime, merci pour tous vos subs et resubs. Désolé pour les raids que j'avais loupé, ceux d'Aquaria et chat. Et je vais aller voir bébé. Et on va la coucher parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'était cool, hein? Il faut que je révise la France. En vrai, la France, c'est honteux. J'avoue mes lacunes. Oui, tu fermes la porte. D'accord, mais j'arrive. Très bien, on va manger plein de gâteaux. Mais faut dormir. Papa, il va te donner un bonbon alcoolisé pour que tu dormes plus vite. Ah, elle veut manger le petit chou à la crème avec son papa. Moi. Des bisous YouTube.